Bonsoir à tous. Voilà, et on se retrouve sur une magnifique BO de Michael Giacchino. Et oui. C'est assez incroyable. Moi, c'est un jeu qu'a fait mon enfance, un Medal of Honor en première ligne. Hop, n'hésitez pas à me dire si l'image, enfin si le son est un peu fort. Tout est bon ou pas, vous connaissez la musique maintenant. Michael Giacchino, comme je disais à Dux, il me semble que c'est lui. Alors, il a fait plein de trucs, hein, plein de films et tout. Mais c'est lui qui a fait la BO du dernier Batman, je crois. Qui apparemment est vachement bien. Alors le film, je sais pas, j'ai pas vu. Enfin, apparemment la photo est splendide. Enfin, au niveau visuel, c'est splendide. Tout ce qui est scénar, ensuite, je sais pas. Bref. Il faudra voir. Je sais plus c'est quelle musique. Je sais qu'il y a un niveau incroyable dans ce jeu. Vous êtes dans un wagon de mine. Vous avez commencé dans un petit wagon de mine. Et c'est en mode shooter. dans une mine allemande. Vous êtes comme ça, vraiment rail shooter. C'est vraiment le niveau hommage. Vous êtes, bah, vous pouvez pas bouger de votre rail. Il y a le wagon qui avance. Il y a les ennemis qui arrivent de partout. C'est un bordel. C'est un bordel. Un bordel sans nom. Oui. Bref. Moi j'étais plus c'est quoi, c'était le soleil levant, oui, toi c'est le soleil levant, pas c'est côté ouais, côté du Pacifique, c'était très et regardez ce croc là qui se la pète avec, oui, non, vous avez le dandy, un plaisir, parce qu'il avait pris un sub tier 3 lui, oui, il a pris un sub tier 3, ce malade ce fou là, voilà, pouf en tout cas, ça fait plaisir de vous revoir, oui, hein. Après le live catastrophique de mardi. Il était catastrophique ? Oui, j'ai perdu mes articulations de doigts. Ah oui ! J'ai tout perdu. Il était pas catastrophique, on s'en est très bien sorti. On a fait 4 niveaux. On s'est même payé le luxe de faire des missions optionnelles. Oh, mais ça, il fait. J'avais mal au doigt. Mais oui, mais je sais bien qu'il y avait mal au doigt. Fallait se détendre. Ça m'a tout crispé. Ce jeu, il m'a tout crispé. Je vous le dis. Alors ceux qui ne l'auraient pas vu, mais il y a encore la VOD de Twitch, sinon il sera bientôt sur YouTube, mais vraiment, si vous regardez nos têtes, on est en mode... J'ai pas tout suivi mardi, mais c'est drôle. Ouais, tu m'étonnes que c'est drôle. Hein. Ah oui, on a bien ri. Bon, le jeu est dur, ouais. Hein, ça se sent. Ah, le jeu, il est dur de ouf. Genre, mais il faut peut-être qu'on joue en facile, en vrai. Patience. Non, mais en cas, non, ce jeu en classique. Mais moi en vrai, maintenant, j'ai pigé, hein. Depuis que j'ai pigé qu'il faut en fait à chaque fois réétendre les bras pour les remettre comme ça, pour les décoincer un peu. Il parle tranquille ici, mais ce sac répond même pas au vocal. Ah là là, une honte. Ah là là. Bah alors les gars, on est encore sur comment il s'appelle, merde. Ah, Conan Exile. Exile, pardon, Exile. Excusez-moi. Et bonsoir à toi, Kashin. Bonsoir, Kashin. Voilà. Ouais, calmez-vous, hein. Calmez-vous les enfants. Écoutez, oh, bien, on est heureux. Oh, by the way. Quoi? By the way, j'ai enfin Elden Ring. Bon, alors je vous dis voilà. Alors que vous le verrez jamais en live. Ah non, vous le verrez jamais en live. Alors là, vous pouvez courir. mais voilà, je remercie quelqu'un de cher à mon cœur qui me l'a offert. Super cadeau. Et du coup, juste la création de perso, j'étais là en mode. Mais non, même pas. Le menu, t'arrives dessus, t'es là en mode. Les petites notes là, puis d'un coup, le truc épique là, t'es en mode. Ah ouais, ça va être bien. Ah, ça va être bien. Oh, je suis bien. Du coup, je suis trop saucé. Je suis trop saucé. Mais tu m'étonnes. En vrai, je pense que... Ah, mais attends, je suis pas pour... d'habitude, c'est toujours mettre en mode full promo des jeux et tout, mais... Je suis sûr que ça va être un méga banger, hein, le jeu. Ah, mais alors, moi, personnellement, comme je t'ai dit, j'ai regardé AlphaCast y jouer et tout. Je suis pas mal spoilé, c'est un jour où je vais me taper. Et en vrai, je lui parais trop bien. Je te dis rien pour pas te spoiler, mais c'est vraiment. Ça paraît incroyable quoi. Bah, en plus, je me dis que le fait qu'ils réussissent à toucher des personnes qui étaient pas du tout versées jeux From Software avant, genre bah donc du coup Demon's Souls, tous les Dark Souls, Sekiro, et je sais pas s'ils en ont fait d'autres. Bref, le fait qu'ils arrivent à toucher plus de personnes que le côté. Joueur RPG, mais hardcore, tu vois, tu sais, en mode die and retry solide, quoi.
Mais c'est parce qu'ils l'ont un peu casualisé aussi. C'est ça qui est. Enfin, c'est. Bah, en fait, c'est ce que demandaient tous les joueurs qui jouaient pas à Dark Souls, tu vois. En fait, de ce que j'ai vu, j'ai juste créé le perso et j'ai fait juste des mouvements. J'ai même pas sorti de la pièce au départ parce qu'on attend un autre pote pour y jouer. Ils ont Boban, non ? Et du coup, on a dit, lui, comme il le lance vendredi soir, avec Elzevir, on était là, je lui fais, non mais tu passes pas la porte là, parce que tu sais que si tu passes la porte, on va avoir le droit à une cinématique, un plan large, on va vouloir envie d'aller explorer, donc non, on reste confiné à la chapelle. Et il y a plein de petits trucs. Tu as récupéré le doigt à la chapelle ? Oui, j'ai chopé le petit doigt, c'est ce qui nous permettra de jouer au multijoueur, j'ai l'impression. C'est la marque de stéatite blanche, pour ceux qui connaissent Dark Souls. Ils l'ont casu que Pouic, c'est que les gens comprennent pas qu'il y a plein de méthodes pour avancer. Ouais, mais moi, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il m'a pas l'air plus casu que ça. Ils l'ont rendu peut-être. Ce que je trouve agréable, c'est qu'ils l'ont rendu plus fluide dans les mouvements. Ouais. Moi, ça m'avait fait la même chose quand on avait. Quand j'ai vraiment. Dans Borderlands 1 et Borderlands 2, je les ai poncés. C'est les deux jeux que j'ai poncés et Pre-Sequel aussi. Voilà, dans tous les sens, j'ai fait tous les persos, j'adorais. Et ensuite, il y a le 3 qui est sorti. Bon, le scénar, il est moins. Les méchants sont moins charismatiques, etc. En revanche, il y a un truc qui était trop bien, au-delà de l'aspect graphique, c'est que t'avais ce côté où enfin, il te rajoute le package de déplacement Far Cry. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre glissade, enjamber les obstacles, s'accrocher au rebord, etc., etc. Ouais, plein de trucs. Et ça, c'est trop agréable. Et sur Dark, et du coup sur Elden Ring, t'as le saut, aussi con que ça puisse paraître. Tu pouvais pas sauter avant, sauf dans Sekiro, je crois que tu pouvais dans les formes software. Ou alors tu devais faire des attaques sautées. Ou si t'avais un ravin, en fin de compte, il faisait un genre de petit saut automatique, mais il me semble. Je sais plus si tu pouvais sauter, mais je crois pas que tu pouvais sauter comme ça. Sauter, tu peux t'accroupir, et donc t'as une notion de furtivité. C'est des petits trucs à la con, mais qui faisaient que les jeux d'avant étaient beaucoup plus. Alors, je vais débunker tout de suite là. Combien d'heures le perso ? La casualisation, c'était peut-être pas le bon terme, je veux bien l'admettre, voilà. Mais dans l'idée, en fait, pour moi, de ce que j'en ai vu et de ce que je voyais de Dark Souls, pour moi, il l'a rendu plus. Accessible. Comment dire ? Plus accessible, ouais. Bah, plus accessible, voilà. Le monde du verre joue beaucoup. Bah, en fait, parce que le monde ouvert induit que t'aurais eu les déplacements de Dark Souls, le standard, ça aurait été chiant. Quoi. Bon, c'est très, ça aurait été très, tu t'es senti très clunky, quoi. Alors que là, ce serait tout de suite épique. Tu pourrais faire tu peux sauter, faire une esquive sur le côté. Bien sûr. T'as encore toutes les mécaniques de Dark Souls, de ce que j'ai vu, hein, les classiques, mais améliorées, quoi. Donc du coup, c'est trop cool. Améliorer. Attends, combien d'heures le perso au final ? Je l'ai pas demandé. T'as l'heure, mais la curiosité est déjà là. Combien d'heures ? Que j'ai passé de temps à le créer ? Ah oui. T'as passé 3h, 3h30, un truc comme ça ? Ouais, j'ai passé beaucoup de temps. Vraiment, c'est genre entre. Avec Elzevir, on a lancé le jeu en même temps, et après on se répartit, on se disait quelle classe t'as envie de jouer, laquelle j'ai envie de jouer, etc. Moi je suis un état. Faut pas jouer avec moi dans ces moments-là, hein, parce que moi je mets. Pour créer un perso, je mets 1000 ans, parce que j'ai envie qu'il soit. Donc du coup, moi j'avais dit à Elze au départ, écoute, moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le lancer en avance pour la custom, et comme ça ensuite on peut se rejoindre directement parce que j'ai mis du temps. Au final, on a fait ça tranquille, mais j'ai mis du temps. Par contre, je suis content du perso que j'ai là. J'ai fait une confesseur. Confesseuse. Elle est magnifique. Eh ben merci, j'ai pris du très temps clair. Pour. Très clair. Mais ça sent que c'est dans tes persos que tu utilises, que tu crées. Ça reste dans ton style, tu vois. Bah j'hésitais entre ça, genre une confesseuse, ou. Et je vais essayer mon deuxième perso. Je vais faire un vieux sage, tu vois, genre un vieux sage. Un vieux sage à la Dalsim de Street Fighter. Ou en mode j'en ai pas fini. Encore. Encore. Et voilà, donc voilà. Mon rêve c'est stylé. Oui, sur on papote, les papote, enfants. On bat pas de vote, mais bon. Merci, Saul. Merci beaucoup, Saul. Des bisous à toi, c'est très gentil. Attends. Quoi ? Ah, c'est un badge, t'as pris 2 mois ? Ça, c'est un badge 2 mois, ça ! Ah oui, c'est un badge 2 mois, ça. Je le reconnais, t'as pris 2 mois, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Très gentil. Très gentil. Kaboom. Voilà. Maintenant, regarde, un monde de nouveaux démotes s'offre à toi. S'offre à toi. Voilà. Et de privilèges. Il y a,
Surtout le privilège. Ah oui, oui. Surtout le privilège. Bref. Bah, let's go. Ouais, du juste coup, la Momori, la Momori TV n'est pas là ce soir, étant donné qu'il est sur un autre jeu avec un autre pote. Donc, des bisous à lui. Non, un mois, mais j'étais abo avant par un gracieux don. Ah, ah. Ok, elle est d'accord. Super. Allez, let's go. Caméra en haut, caméra en bas. Caméra. Je crois que c'est en bas. Non, je crois que c'est en bas parce qu'en haut il y a la minimap. Parce qu'il y a une minimap dans le jeu. Depuis quand? Depuis quand? C'est quel jeu où on avait une minimap? Je sais plus. Non, mais c'était dans le jeu de mardi qu'on avait une minimap en haut. Ah ouais, je confonds. Ouais. Ça y est, déjà. Ouais. Je deviens sénile. Oui. Voilà, toutes les emotes. Un monde vaste, c'est sûr. Avec toutes les emotes, là. Voilà. En tout cas, j'espère qu'elles vous plaisent. Est-ce que c'est là? Je crois que je vais essayer de nous mettre en haut. On va voir. Et moi, que Sol ait reçu un abo la dernière fois que j'ai gift sub. Possible! Ça, c'est possible, ça! C'est vrai, oui, oui, ça, oui. Ça, c'est oui. Possible, ça! Ça, c'est pas possible, oui, ça! Oui, oui, oui. Ouais. Bon, en tout cas. Duel, let loose. En tout cas, bah, mais lui manque le plus important. La plus importante. Oh. Celle qui fera d'elle un vrai dandy. Un vrai dandy. Un vrai seigneur de stream. Pouf. Bah, attends, je recherche les serveurs. Et puis, let's go. J'adore la musique de let loose. La musique du menu me fait toujours rire. C'est vraiment. Ouais, allez, dans la bonne ambiance. L'engagement, c'est la santé. Bon. TKT Cro, je l'aurais. Oui, alors attention, hein, parce que le Sub-Tier 3, même si les prix des subs ont baissé, c'est pas gratos ça. Vous battez pas. Hâte d'avoir celle de Cypher aussi, plus flex encore plus. Allez. C'est vrai que celle. Il n'y en a pas une encore pour. En fait, je suppose que quand on avancera sur les abonnements, on débloquera une nouvelle de Sub-Tier 3. C'est tout le but en fait. Hein. C'est tout le but. Oui, oui, oui. Et ça, c'est grâce à vous. Après, vous voyez, celui-là, il a l'œil vif, hein, on le sent. Oh là 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 là. Ah, mais c'est une PPSH. Okay. PPSH, je crois. Mixtra. Oh non, lui, on va pas aller sur une soirée tryhard, quoi. On va pas aller sur un truc sympa. Non, c'est la détente. Hein. C'est bon. C'est bon. On l'a pas dit, c'est vrai qu'on fera peut-être pas que du Headlet Loose ce soir. On verra. Ça va dépendre de... Installez-vous et laissez-vous porter. Voilà. C'est incroyable, je vois pas de... Comme ça, pas de partie. Ah, ok. Oh là 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 là. Eh ben quoi? Attends, mais surtout qu'il y a aucun serveur libre en fait. Il y a aucun serveur libre? Bon, bah, ça va être vite vu. La file d'attente du serveur est pleine. Non, mais c'est pas que. Tous les serveurs? Ah, bah attends, on va aller là. Écoute, on va aller là et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Allez hop. Zouf! Bon, bah attends, je te rejoins. C'est le. 233ème de cavalerie, ouais. Non, c'est pas 113? C'est 213? 233ème. Alors, moi j'ai fait Ami, Stalingrad. C'est 233ème, ok. 233ème régiment de cavalerie. Il me semble que dans les premières années. Enfin, en tout cas, la cavalerie, avant, il y avait les tanks dedans. Ouais. Enfin, sur certaines... En tout cas, l'armée française, dans ses débuts, où il y avait les tanks qui commençaient à être implémentés, c'était. Voilà, c'était. Les tanks étaient là. Ils étaient mixés à la cavalerie. C'est ensuite qu'il y a eu, bah, du coup, les divisions blindées qui ont commencé à apparaître. Une politique Allemagne, peu importe. T'es où? Bah, Allemagne, moi. Je suis en train de charger. J'ai pas la fibre, moi. Bon bah... Oh, on peut prendre des blindés. Ah bah, non, on commence une standard. Je pense qu'on va commencer par une standard, mais tu prends pas le coup là. Non, j'attends. Ah, ouais. Je peux prendre la place du commandant. Tu peux prendre. Non. Alors attends, plat, créer, voilà. C'est bon. Alors, c'est bon. T'es quoi? On est baker, c'est ça?
On est bakers, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On a le choix. On va se prendre un fusilier automatique. Ou un assaut. Combat rapproché, arme automatique. Ah, je suis curieux d'un truc. Attends, j'ai regardé. C'est lequel qui a une... C'est le parachutiste qui a une... Qui a un phal à la fin. Au niveau 6. Un phal. Je vais prendre ça, parce que le phal, c'est pas mal. Ah, j'ai joué fusil automatique, du coup. Mais il faut être niveau 6. Et je suis niveau combien? Je sais pas. Ok, je suis prêt. Attends, je vais juste regarder vite fait les autres rôles. Lesquels peut avoir? Est-ce que cette arme elle est chouette? Ouais, mitrailleur. Alors lui il a des grosses toum toum. Ingénieur. Je crois qu'il y a que lui hein, qui doit avoir le phal. Hein. Bah, attends, ah non! Oh ouais! Punaise, quand t'es sniper tu peux l'avoir aussi mais avec une lunette en plus. Oh c'est dingue ça. Alors attends, je vais demander s'il y a du monde. Allo, bonsoir! Y'a quelqu'un là-dedans? Ah, oh, ça c'est le sniper que je veux ça. Que je suis niveau de sniper 2, c'est ça? On jouerait pas sniper? Pourquoi tu voudrais jouer sniper? Parce qu'en fait. Pourquoi y'a personne? Ah bon, y'a personne? Bon, bah très bien, on va couvrir ça. On va où? Je suis en A8. D'accord. Donc c'est QG3. Puis on va chercher un camion de transport qui est là-bas. Bon, le 233e de cavalerie. Voilà, ah, pas là. Si quelqu'un veut venir, hein, c'est open, il y a de la place. Voilà. Oh bah allez, viens, on se tire. Hein. Allez hop. Hein. Mais les gaz, Hans. Bon, CypherDux, le prix des cartes graphiques est en baisse. Ah oui? Ah oui. Alors oui, j'ai réussi à en choper une du coup, mais... Ah bon? Genre les 3000 quelque chose? C'est moins d'un SMIC maintenant. Ah ouais, bah voilà. Bien. Qu'est-ce qu'a fait ça? Il y a des nouveaux trucs ou... Oh, ça fait un bout, comment ce véhicule, bordel de gueule? Oula. Bah alors. On commence à passer sous les 1000 balles pour une 3070 Ti. C'est intéressant. Alors moi j'ai une 3050, tu vois. Une 3050, quoi. Qui m'a l'air très bien. Hein. Bah elle fonctionne très bien, la preuve, hein, regardez cette qualité là. Elle est pas belle la qualité? Alors je sais pas sur le retour, moi il disait que ça la gouillait et qu'il y avait des pixels quand même, mais ça va être la config je suppose. Non c'est juste que ça se stabilise et les 4000 commencent à montrer le bout de leur nez, oui. C'est ridicule en vrai, c'est ridicule. C'est totalement con. Au top la quête. Ah ouais, genre c'est fluide et tout. Voilà, tu vois. Bon, je vais mettre le stream à côté. Faut que je clique le son. Ouais, t'as pas grand chose à faire, hein. En vrai, c'est mieux que la dernière fois, ben, en même temps. Ouais, ça la douille un peu. Après, c'est pas bien. Bon, attends. Voyons. Mais laisse-toi porter. Regarde à droite, ces magnifiques wagons, là. Ils sont trop beaux, là. Hein? Oh, ça. Oh, c'est moche quand même. C'est moche, c'est dégueulasse, on est d'accord. Ah là là. Bon ben voilà. Hein. Donc c'est ici que tu m'amènes pour passer les vacances? Ah bah ben, oui chérie.
Honnêtement, c'est pas ouf. J'aurais préféré rester à glander devant Netflix. Allez, chouchou, motherfucker. Poussez-vous. En fait, ouais, je prends ma deuxième tour et en faire un PC de stream. Là, on sera parfait. Perso, j'ai dit à attendre les 4000 pour arriver en septembre. Alors oui, mais effectivement, mais bon, les 4000, ça va pas être le même prix non plus. Enfin, c'est quand même plutôt chouette que cette histoire de carte graphique commence à s'améliorer, à s'arranger quand même. Parce que ça, c'est quand même cool, hein. Ça commençait à être chiant. On peut y retourner. On a plus qu'à attendre la capture, hein, tranquillement. Ah merde. Qu'est-ce que tu fous? Il y a du monde. Il y a un mec en face. Ouais. Ça serait bien que ça arrive quand même. Mais sinon, ça va être une belle balade, mais. Ouais, je pense que ça va être une balade. On a vu comment ça se passe. Oh. Toi qui m'as tiré dessus? Je sais pas, t'as reçu quelque chose? Ouais. Là, c'était le coup de réflexe. Ça a été le réflexe. Hein. Ça a été le réflexe. Mais attendez. Je t'ai mis un point. Je t'ai mis un point. Et sa caméra de man, vous venez de me flinguer. Je t'ai mis un point. Bougez pas, bougez pas. Je t'ai mis un point. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, va, faites pas, on arrive. Et ouais, c'est juste avec mon flingue, hein. On fait moi le malin, Hans. C'était juste avec mon flingue. Ah bah oui, j'aurais dû prendre une classe. C'est reparti par Rocket Party. Bah non, je vais pas le punir. Tu m'as puni? Non, je t'ai pas puni, j'ai fait N. Vous avez été puni une fois. Plus mais non, mais ça c'est parce que tu m'as flingué. Et après, si le mec te punit en face, tu reprends une... Et sache que j'ai pas le choix, moi j'ai pas de flingue. J'ai que la mitrailleuse. Oh bah pardon, excusez-nous. Ah ok. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? C'est bon, on peut repartir là. Pas de fait maintenant. Mais y'a personne en face. Y'a le mec avec ses phares Xénon et c'est tout. Bah qu'est-ce que j'y fasse moi? Je suis pour rien sans envoyer personne. Bon bah on change les serveurs, je sais pas. On peut aller sur les serveurs si tu veux, mais Ah, on va peut-être trouver un serveur avec du monde. Par exemple, je l'ai regardé, en vrai. Non, le truc. S'engager, les serveurs. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si je peux crever les pneus. Non, là, mais je sais pas. C'est le Michelin, c'est pas la peine. Ouais, ouais, c'est clairement, c'est solide. Je tire là. Non, mais y'a rien. D'accord, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit sur le. Ah, vache, ils ont coulé du ciment dans les pneus. Bah ouais, j'ai l'impression. Mon frangin, bon bah, y'a pas de place. Quoi? Ça a des cons. Non, je regarde sur les autres serveurs, y'a pas de place. Mais c'est pas possible, on a jamais galéré à trouver du monde. Ouais bah là, c'est juste que en fait, y'a... Y'a que... Y'a trois serveurs, ils sont tous pleins.
Et genre plein avec une file d'attente remplie. Genre même leur file d'attente est pleine en fait, tu vois. Attends. Ouais, 100 personnes, 100 personnes. Bah là, il y a des 70 personnes et tout. Après en FR, il y a peut-être pas, oui. Ouais, du coup, oui. Ah là, 39. Ah oui, sur RMX Tryhard. Ouais. Bah après, on peut tryhard, hein. Bah, je te préviens, on va pas rigoler, hein. Après, sur Sainte-Mère-Église, French Only, l'Oignon fait la force, on peut essayer, hein. Ouais, bah l'Oignon fait la force, oui, à 8. À 8, c'est peut-être un peu plus de monde. On s'amuse avec la Panzer Division. Allez. Moi, je sais pas si ça va, tu vois. Mais au moins, on peut essayer. Ça ne coûte rien d'essayer, mon ami. Bah oui. Salut Pordo, comment ça va Pordo? Quoi toi? Comment ça va Pordo? L'oignon fait de la force, oui. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Les papilles flingueurs, c'est pas bien ça? 96 là. Oui, mais regarde, tu cliques dessus, il y a écrit file d'attente 6 sur 6 et tout. Allez hop, côté États-Unis. Hop là, on rejoint l'infanterie. Au top et vous, et bah ça va, tranquille. Ça va, les bakers. Ah, y'a du monde. Les bakers, c'est les pâtissiers. Y'a du monde. On prend la team America. America, fuck yeah. Rocco ou infanterie? Non, baker. Baker. Du coup, j'étais en mode fusil. Oh là là, y'a du monde là. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Voilà. Bonsoir à tous! C'est ça, je suppose. Bah, y'a plus de commandant! Eh, y'a plus de commandant là! Mais c'est quoi? Ah putain! De brel de cul, c'est bon, ça marche pas. Option audio, voilà. Entrée audio, hop là, ok. Aïe, tiens, faut qu'on passe sur le serveur. Bonsoir à tous, on est dans les champs là. Bonsoir, bonsoir. C'est alors, c'est quoi? C'est V ou c'est pour parler au là? À quoi tu veux parler? À quoi? Allo? Dis-moi. Là, c'est bleu là. Là, c'est genre autour de nous. Là, c'est autour de nous là. Ok, et C, c'est les squads, c'est ça? Les C, c'est les squads, ouais. Non, ça va. Elle est où la guerre? C'est par où? Bah, on fait une guerre à 8, donc ça va être dur. Bah, ça, tu me tapes, c'est une escarmouche. Oh, mais c'est un échauffement. Voilà, c'est un échauffement, c'est ce qu'il faut se dire, c'est bien. Par contre, le mec devant s'est fait one tap donc. Ouais, j'ai vu ça, à terre. Ah, ça va aller. T'inquiète, Ebola, on arrive. Comment il s'appelle? C'est toi qui t'as comme un. Ça Ebola. Oui, t'as raison, faut essayer. Oula. Ah, c'était un autre? Non, c'est pas nous. Ah, c'était pas un autre. Attends deux secondes. Attention à couvert. On leur envoie la politesse? Oh, il est là! Ah, il est là! Oh, j'ai mal! Ah non! Putain de merde! Ah, bah super! Eh bah, trop bien! Putain, il m'a mis une balle quoi! Il m'a vu une seconde! Enfoiré! Ouais, bah, ça commence bien! Hein. Ouais, ça commence bien! Eh, on prend les snipers à 8, ça va être simple! En fait, surtout qu'il y a une arme incroyable que tu te souviens de la FG-42 dans Cuisine Royale. Je change. C'est reconnaissance. Un snipe. Hop là, unité de reconnaissance créée. Je t'attends. Oh, non mais attends, je rejoue. Oh. Merde. Tu sais, ça va quitter. Hein. Oui, non mais je suis. Bah, je peux pas être sniper. Hein.
Ah, écrit rejoindre une unité. Attends, comment je fais? Faut que je quitte les squads d'abord. Ouais, faut que tu quittes les squads. Là t'es revenu sur Abaker. Reconnaissance Charlie. Hop. Tu cliques sur moi. Quitter. Non, pas le serveur, au secours. Voilà. Au secours à l'aide, hein. Au secours à l'aide. En vrai, je sais pas comment on fait. Attends. Si, je suis dedans. Ouais, t'es dedans là. T'es avec moi là. Attends. Point d'apparition 3. Changer de rôle. Et oui, je suis bien sniper. Ok. Et en fait, ouais, voilà. Ah, mais côté américain, c'est pourri. Enfin, attention, c'est commun. Ah, côté américain, t'as pas ça. Parce qu'en fait, t'as une grenade fumée, je suppose. Bon, ça va être sympa quand même. Mais en fait, quand t'es côté allemand, t'as une FG-42. C'est un sniper semi-auto. Tu sais, avec le chargeur sur le côté. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je vois très bien. Avec 20 balles dans le chargeur, là. C'est très pratique, ça. Bon, bah, du coup, vas-y, on est où? On est là. Où je suis? Ah, oh, putain, non. En haut de l'escalier, enfoiré. Ah, ouais, je suis même pas là. Hein. Oh la vache, m'a fait peur. Yinch. 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 Gros yinch. Là, je sais pas où il était. Oh là, je sens que. T'as fait point. Oui, t'es là. Ok. Garde le point et évite de te rapprocher de la baraque. La baraque à côté là? Ouais. Parce qu'il est là, hein. Il est là le mec. Hein. Le mec qui m'a fumé, il était là. Fais attention à toi. J'arrive en secours. Ouais, je le sentais, voilà, vous l'avez vu, j'ai bien fait de m'écarter. J'ai lancé une grenade, elle a rebondi contre la paroi, elle est revenue à mes pieds. Il y a quelqu'un. Oula. J'ai une balle qui m'a frôlé. Il y a quelqu'un dedans. Ouais, ça c'est notre gars qui est dedans. Je monte à l'étage. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Il y avait un mec là, je suis pas fou. Je suis pas un toto là, hein. Ah si, il y avait un mec. Ah, tu t'es fait abattre par quoi toi, tout à l'heure? Il y a un mec ici, hein. Un bon, très bon. Ouais, un très bon, ouais, on est d'accord. Mais il me fait peur le monsieur. Ça tire là. Ok, bah c'est bon. Oula. On va se rentrer. Frère, t'es où? Là-haut? Ouais, je suis à l'étage. Mais faut que tu tires par là-bas, hein. Il est par là-bas le mec, hein. Est-ce que j'ai une fenêtre? Un point si tu le vois, il est pas mal marqué. Ah bah je suis mort. Mais il est parce que évidemment qu'il doit viser la baraque, mais j'ai il y a pas de zoom sur ce sniper. J'en sais rien du tout. Je vais monter avec toi. Merci Pando pour cette magnifique tombe. Quelqu'un qui gueule là. Faudrait que je nous fasse en squelette. Non, tu penses pas? En squelette, si, ah, j'avoue. Mais alors, comment tu ferais? Tu nous laisserais la barbe et. En fait, je laisserais juste la barbe et les cheveux, tu vois, mais je ferais un squelette en dessous, tu vois. Ah, t'as vu, ça peut être marrant. Les prochaines emotes. Moi, je vois personne, moi. Ouais, attends, mais la balle, elle venait pas de nulle part, tu vois, genre en mode. Bah, il est peut-être mort, le gars. Bah, j'ai pas entendu de tir de notre côté, tu vois, donc. Si, y en a eu un mec est mort, un pile. Bon, il est où le front? Ah, on perd. Comment ça, on perd?
Ah bah y'a deux pour eux, y'a ah, merde, pour eux. Y'a un mec en face. Ouais, c'est ce que je te dis. Tu le vois? Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas. Okay. Tu peux remettre un point? Il est là, là, à la barrière. Il y en a un autre là-bas. Il est là, à la barrière. Il y en avait un à la barrière, donc j'ai indiqué. Ouais, je suis... Tiens, voilà, t'as vu? Non, j'ai rien vu, là. Il est par là-bas, là. Putain, mais t'as pas de zoom sur ce truc-là? Ah! Ah! Là-bas! Oh la vache! Ah, mais je peux pas. I need more emotes! Yes, bah j'en fais, j'en fais, vous en faites pas, j'en fais. Putain, mais je suis pas stable. Bon alors chef, comment ça se passe de votre côté? Tourne des choses, hein. Il y a toujours un mec là-bas. Moi en plus je suis pas stable mais c'est pas dans le même sens. Ah, super. La dernière fois que je l'ai vu, il était toujours là-bas. On fait Nico qui est là-bas. On contourne, on avance un peu. Bah ouais, on va contourner. Bon, on va pas proposer. Faut qu'on aille le récupérer, hein, donc le point. Donc, Ah, il est toujours là-bas, je le vois. J'arrive pas à. Comment tu veux que je réagisse? Nous, faut qu'on aille là. Donc voilà, hein. Ah, c'est pas simple, sniper. Tout de même. Il est censé être par là-bas, là. On est par là-bas ouais. Je vois rien, moi. Tu as pas vu mon point? Si, j'ai vu ton point, mais... Oui, mais voilà, mais il est censé être... Il doit être derrière, je le vois passer tout le temps. Ouais, bah, viens, on se tire, mon frère. On se tire. Ah, il y a un largage, là. Allez, direction le largage, j'ai fait le péter. Oula. Bon, bah, on y va. C'est toi qui se fait tirer dessus? Non, non. Ouais, je te suis, écoute. Hein. Bon, non. Voilà. 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 Et voilà. Bon. Moi, je dis. Je dis streamac. Hein. Streamac. Hein. Ouais, bien sûr. bien sûr. Ça va. Bien sûr. Il va pour mon écran, il me fume quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, voilà. Streamac. Hein. Bon. Faut contourner les lignes ennemies. Je t'ai mis un point pour que tu viennes directement sur moi. Oh putain le... Il y a un sniper le mec, c'est pas possible hein. Tristesse déception avec la rang là, là c'est pas, c'est pas cool, là. Alors, et t'es fait buter par où? Non, à l'opposé de ce que tu regardes actuellement. Meuf. Mais tiens pas bien. Me rusher comme ça. Comme si t'allais me planter à la baïonnette. Faut dire qu'avancer à découvert comme ça c'est pas la meilleure idée. Bah oui, mais oui. Évidemment que c'était pas la meilleure idée. Ah, notre pote là-bas s'est fait flinguer. Ouais.
purée la vache. Mais c'est qui ce mec? C'est qui? J'avoue, je sais pas comment il te voit. Ouais, je vais prendre un tank, hein. Il arrive. Il était où? Il arrivait, mais il arrivait. Posez pas de questions, il arrivait, c'est tout. La vache! Ah mais on prend un tank, frère. Bon bah d'accord. Ok. On prend un tank, hein. Alors comment on va quitter les squads? Ah, attends. Tu quittes les squads et t'attends la zone. Ah mais faut qu'on demande au commandement de nous envoyer un tank. Ah mais alors rien à foutre, moi je le prends par la force le commandement. Tu deviens le commandement, tu deviens le commandant et tu te déploies. Tu te déploies ton tank. Je me casse. Hein. Créer une infanterie blindée, c'est parti. Hop là. Bon. QG2, hop là. Poussez-vous. Attends, je suis dedans ou pas? Blindé, dog, c'est ça? Ouais. Et du coup, je suis équipier. Conserver le rôle. F. Artillerie. On est où? Comment on fait pour faire une pour jouer à l'artillerie? T'es où, toi? Hein? Je suis... Si faut je se prépare, je vais faire un bombardement. Je vais faire un bombardement, on est mort où nous? Ok, tu vas voir, c'est rapide. Hein. Bonsoir à tous, dites-moi, où est-ce que vous voulez qu'on bombarde? Je suis à l'artillerie là actuellement, j'en ai eu un peu marre, je vous l'avoue, donc dites-moi, donnez-moi une zone, allez-y. Je suis prêt. Trouve une artillerie, tu me verras. Oh, j'en ai une aussi. On peut? Bien sûr qu'on peut. En E4. Comment ça se gère, l'artillerie? Je sais pas comment ça fonctionne. Moi alors. Aussi comment ça marche, le bousin? Bah, tu viens. Ah, il faut être deux. Évaluation. Ouais, pour... Je crois que pour TF, faut être 2. D'accord. Alors. Qu'est-ce que je fais, moi, en fait? Combien de mètres entre là où on est et l'hospice? Comment je peux savoir ça, moi? Comment je peux savoir ça? Si je mets un marqueur là. Tirer. Si je veux tirer là. Bonsoir à toi, Lovat. Bonsoir à toi, Levat. Installe-toi bien. Alors. De voir comment fonctionne l'artillerie. Alors, comment ça fonctionne? Attends, mais Levat, c'est toi le pro de ce jeu-là, là. Comment ça fonctionne, le bousin? C'est si à moins que tu nous dis. Est-ce que moi, apparemment, je peux gérer la rotation gauche-droite? Toi, ça doit être haut-bas. Alors, rotation, je pense qu'il faut rotater. Si ça, c'est 45. Et que ça, c'est 0. Alors, on va dire 20 degrés. Mais quoi, 20 degrés? Mais moi je sais rien, j'ai pas les infos. À droite, t'as pas les infos? Ah non, j'ai que dalle. Moi j'ai rotation à 3 là, donc faut que tu tournes. Continue. Alors, attendez, deux petites secondes, je vais juste me passer en mute sur... Les caméras vont péter deux secondes. Hop. Pourquoi tu reçois des bip? Oui. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon. Du coup... parce que moi j'ai pas les degrés là, du coup j'en sais rien. Là on est pour moi on est à 3. Parce que... Comment ça on est à... Ah bah c'est à toi de me donner les coordonnées, je suppose. Bah là, je tourne là. Ah non, toi tu recharges. Toi ton boulot c'est de recharger. T'as un bug là ou je suis pas dans l'axe? Je peux tirer? 15 degrés. Élévation. Désolé, ça dérange le streamer. Bravo au soldat, mais t'inquiète. Sélectionner les munitions, pivoter à gauche à droite, recharger, changer de siège F1, F2. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai tiré un coup d'obus. T'en fais voir le... Tu peux regarder? Je tire à 1000 mètres. Oh bah alors tu vas voir, c'est pas... Ça va pas t'aider, hein.
juste voir un peu, essayer de comprendre un peu. D'accord. Tu vas voir, tu comprends rien. D'accord, à 1000 mètres, mais comment on sait où on en est en fait? Ah oui, d'accord, on voit l'élévation. Mais faut calculer par rapport à la map, je suppose. Ouais, mais j'en sais rien du tout, c'est ça qui me rend ouf. Oh, c'est un vrai tank. C'est un vrai boulot, hein. Ah, c'est un vrai boulot, j'en sais rien du tout. Bon, allez, tank, il est là. Attends, je tire 2-3 obus, histoire de dire. Histoire de dire de quoi on va se faire engueuler par le commandement, faut pas qu'il te le dise, hein. Je vais même pas mentir. Bref, bon, allez, j'arrive. Pas pour nous, l'artillerie, c'est un piège à con. Je démarre le moteur. Ah, ça je reconnais, ça je sais, ça. On a la coaxiale classique, ouais. Vous avez des études pour tirer avec un machin comme ça? Bah ouais, mais voilà, ça pourrait être fourni avec une notice quand même. Bon, on va voir, ils vont moins rigoler là. Pourquoi j'arrive pas à avancer? J'ai l'impression que les alliés sont plus populaires que l'Axe quand même, hein. On est un peu plus, je crois, à moins que ce soit une... Attends, un doux... Voilà, à moins qu'on ait juste la répartition. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, non, on est là. C'est 15 contre 14, ça va. Bon bah let's go. Hop. On est où? Notre but c'est d'aller à Hospice. Tank va à cimetière. Non, on va à cimetière quand tu vas aller à Hospice. Ah oui, on perd le cimetière, oui, effectivement. Pas bon ça. Alors, il peut toujours essayer de nous déglinguer, hein, l'autre avec son sniper là, quand il va nous voir arriver. Ça va faire la scène de Sherlock Holmes 2, tu sais. Avec le sniper là, tu sais, le bras droit de Moriarty. Ouais, clairement. Qui va regarder, qui va faire? Ça c'est pas juste. Et ça c'est pas juste ça. Alors, on a une co... Il passe devant, la tête des lapins Garen, on les fauche à la coaxiale. Ouais, il y a un petit malin dans le coin là. Une escouade de Recon, je suppose. Prochain talus, je leur mets un obus là. Faut pas tirer? Ah non, mais j'ai pas rechargé. On y va. Tu me dis quand tu t'apprêtes à tourner. T'as vu, il y avait un ravitaillement qui tombe. Qu'est-ce qu'il y a, le tank? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce que je fais à ton avis? Je suis à plein de balles! Je peux pas aller plus vite! Non. On fait pas croire qu'on est arrêté par une barrière en bois française. Alors. On va faire demi-tour. Il y avait un Allemand en face. On est parti. Mais elle est française. Bah oui. Mais elle est bien française. C'est une barrière en bois française, monsieur. Attends, je peux passer par où là pour Ah, fait le tour, mais... pour trixer là. C'est dommage parce qu'il y avait des Allemands en face. C'est des barbelés ça. On peut passer ça. Merci. Ça serait quand même dommage, c'est quand même toute l'utilité d'un tank quoi. Le cimetière est perdu. On y est. Non mais coincé dans le bocage normand. Mais putain, on peut pas passer là, ça là, cette barrière là. Allez, zou.
Non, putain, j'allais l'allumer. Bah ouais, bah allume-le. Mais non, c'est un allié. Un allié? Ok. Bah attends, on va se faire punir là. Parce que... Là, en face, là. Y'en a un, là. Attention, à droite, y'en aura. Ralenti. Elle est belle la Normandie, ah bah là ça tape. Il tape. Ah bah ouais, bah ah, c'est un peu. Bah tu sais comment c'est dur à conduire ce bousin. Mais il y a un autre tank à côté de nous là. Oui, c'est un tank. Ça, bouge, c'est pas, bouge pas. À droite, il y en a. Et voilà. Bah t'as rien fait. Mais je peux pas, parce que en fait tu bouges et du coup bah avec la tourelle moi je peux pas la tourner. Bah j'ai arrêté de bouger là, je bougeais plus. En fait... Je bougeais plus. Ah là, en fait quand tu bougeais au départ, bah moi du coup j'étais en train de tourner la tourelle parce que j'avais vu des types. Et je te dis bouge pas parce que le temps que je la tourne, et en fait bah trop tard. Bon, j'ai pas bougé très longtemps. Bon bah il faut qu'on la reprenne. Ils sont déjà à Vieux Verger. On va où? On va à Vieux-Verger, écoute. Non mais à pied. Non, on prend un char. Oui. Allez-y. Allez-y, je t'en prie, hein. J'ai déjà tué quelqu'un, quand même. Tu vas à Verger, rassure-moi. Bon, allez, à Verger, hein. C'est pas le nôtre, ça, hein. C'est pas le nôtre? Bah, je crois pas. Bah, je sais pas, vas-y, prends. Hein. T'as deux places, celui-là? Trois, apparemment. Alors. Oh là là, ça y est, il fait toutes les explications, là. Alors, le tireur gère l'élévation du canon, et l'axe gauche-droite, et le chargeur aussi. Le choix des obus, mais possède aussi la possibilité de bouger le châssis du canon pour aider le tireur. Attends, le tireur a l'élévation du canon et l'axe de droite et le chargeur. Après, pour tirer, l'utilisation du marqueur sur carte est forcément recommandée pour avoir l'axe et la distance selon le tir. Ah oui, d'accord. Alors, il faut convertir la distance des mètres en miles angulaires, mais il existe des tables, des sites et une appli mobile qu'il faut automatiquement pour le jeu. Je t'avais dit, des années d'études. Ah ouais. Non mais d'accord, ok. Bon, on n'est pas fait pour l'artillerie. Alors que la deuxième division blindée du général Leclerc... Après vous. Mais fais attention où tu marches. Mon Dieu. Et on a des chenilles, hein. Toi t'as des petits pieds, hein. Bien reçu. Alors est-ce qu'il y a de l'infanterie qui traîne dans le coin? Ah oui, là-bas au fond. Arrête de bouger. Bah, il y en a 500 mètres, je peux avancer là. Ah, mais j'en vois là-bas là. C'est l'autre qu'il faudrait que j'utilise, l'autre obus. Je sais plus comment on change, c'est 1-2, je crois. Bah, tant pis. J'ai peur de croiser un blindé ennemi ou un. Salut. Comment vas-tu? Mais attends, mais t'es où toi? T'es rendu où? Il était de passage, je pense. J'arrive. Ok. Non, bah vite, je m'arrête et je fais un truc pour apparaître. Putain. Bon, tu vois des mecs ou pas? Parce que moi j'avance là comme un connard, mais. Pour le moment, je vois personne. Bon, bah je vais au cimetière. Oh, y'a des bruits de chenilles là. Ah non, c'est un avion. J'ai compris des bruits. Quoi? Où? Okay. Non, c'était mon jeu qui ramait. Tout va bien.
Il est où notre pote là? Il est pas avec nous. La deuxième DB du général Leclerc s'enfonce dans les territoires français. Est-ce qu'il y a du monde à l'église? Pour lui mettre un petit coup de canon. Et pour... C'est quoi ça? C'est une mine? Un pavé. Un pavé charolais. Je vais aller spawn plus près de vous. Il va où, il a dit? Ok, mon bro. Je te pose là. Je reviens. Ah, c'est bien, je suis pas exposé. Ouais, c'était le but, hein. Ah, purée. Derrière, à gauche. Non, toi, t'as le tank qui est là. Il y a un mec par là. Il y a un mec, je peux pas pointer là. Un mec derrière. Bah, je vais pas bouger, je vais leur faire un une surprise quand ils vont arriver sur ton corps. On est d'accord qu'ils sont dans le cimetière, c'est ça? Non, ils sont pas au cimetière. Enfin, ils sont au nord du cimetière. Vous allez me te chercher. Le commandant là-bas. Attends, il tire dans le cimetière, donc il doit probablement y être. J'ai l'impression d'être une toile automatique qui fait des gauches-droites. C'est quoi ce bruit? C'est bientôt. Il va me falloir un conducteur et vite! La cornichon qui arrive. Ouais bah. Marche arrière, comment on fait? Je sais pas. Non! La cornichon. Non! Démarrer le moteur! Vite, vite, vite! Démarre, bordel de merde! Je vais me prendre un autre tir d'artillerie! Non! Hein? Comment on avance? C'est un autre qui tire dessus. Arrêtez. Left shift, contrôle shift, vitesse supérieure, inférieure. Mais le cornichon il est pas avec toi? J'en sais rien, mais je suis tout seul. Ah, c'est une tire à toi. Ok. Où est-ce que je peux aller? C'est clair. Ok, pour venir te retrouver. Essaye de venir me chercher en G4. Mon pote. Tout d'honneur. D'accord, c'est pour passer les vitesses. Non, c'est long la manœuvre. Vas-y, cornichon. Cornichon. On est parti. Y'a le tank là. Non, arrêtez. Le tank est pas mort, c'est bon là. Et il a pris quelques dégâts hein, au niveau des chenilles, au niveau de la coque. J'ai pris un bombardement sur la tête, je suis encore debout, mais va me falloir des réparations. Mayday, j'ai besoin de réparations. Est-ce qu'on a un réparateur dans l'armée là? Petite question comme ça. Ah, la question c'est est-ce qu'il y en a un? Oui, il y a du spawn kill, ouais. Quoi, c'est sur nous qu'ils ont ordonné le bombardement? Non, je demandais si un réparateur en plus qui est. Ah. Passer au canon.
T'es là. T'es en feu, mais t'es là. Ok. On va pas bien vite, ça pète d'un peu partout. Spawn kill artillerie. Ah bon, on va bien. Aussi bon coup tout à l'heure. Il s'est pas visé, t'as de la chance, ils sont aussi bon coup tout à l'heure. Oh bah attendez. Oh bah lui il va beaucoup plus vite que moi. Ah, pas ça. Ah bah elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Bon, alors les enfants. Vous m'entendez les gars? Les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants. Qu'est-ce qu'on fait en bon sachet? Intérieur 2. Ah oui, attends, c'est. Ouais, attends. Ok. On spawn. Ah là, faut choper un tank, donc du coup, il faut un QG. Un QG, je sais pas, QG 2, je suppose. Ou QG1, ah, il a l'air allez, d'avoir un tank. Hop là. Ramenez-vous sur ma. Oula. Ok, QG2. Bon bah, on finit au moins la game, quoi. Tu veux ouais, passer à autre chose Ouais, je pense. Là-bas, ici. Un jumbo là. Ennemi là-bas, ennemi là-bas. Je sais tout ce que vous avez là-bas. Choper un tank, je vous couvre. Choper un tank, je vous couvre, les enfants. Choper un tank. Mais ils sont où les tanks? Comment on les commande? Bah, y'a un tank qui. Vous les jouez quoi comme run? Moi, je m'en fous, perso. Perso, je t'avoue que si un conducteur. T'es bon, conducteur, quoi. Oui, je peux conduire, pas de soucis. Eh bah, c'est nickel. Voilà, on a un conducteur, incroyable. Bon, il nous faut un tank. Plus char. Bon, commandant, est-ce qu'on pourrait avoir un char sur nous, s'il vous plaît? Bon, on va demander au commandement. C'est demandé. Il a été traité le mec alors, ou quoi? Alors, le commandant, il a pas l'air très sympa. Alors oui, il y a un mec là, il y a un mec qui me casse les couilles là depuis tout à l'heure. Ah ouais, ça fait cette fois il me tue. Bon, bah l'avoir cette fois, alors on est plein là. Je peux pas lui faire un tir d'artillerie sur la tête. Il bouge à chaque fois. Y'en a un qui sait gérer l'artillerie là ou pas là? Pour lui foutre un petit coup d'obus dans la tronche là. Moi je suis nul mais Il est trop près hein. Il est trop près pour nous? Ah, fait chier. Ok, bon, vous bougez pas, je prends le camion, j'avance pour le trouver, ok? Après, au pire, on l'écrase avec un camion, hein! Et comment il veut pas l'envoyer le tank là? Ah, ça a pas l'air! Je vais le trouver! Oh! T'as écrasé un mec! Non! Il est où, sans forêt? On a un tank! Ah, voilà notre tank. Allez là-bas! Bon, bah, montez à bord, je vous rejoins! Hein. Ah oui, mais alors. Ah putain, ils l'ont pris. Ah merde. Bon bah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont pris. Et ça devait être eux. Ah, ils sont à 3. Bah du coup. On peut demander un. Ouais, il faut demander un autre tank du coup. Un médium. Ouais, c'est ça, ouais, on va avoir un tank médium, c'est possible. Je viens de demander. Hein. Bah ouais, mais ça a été pris par une autre équipe. Voilà. Bon. C'est une vraie galère, hein. Oh, c'est une honte, hein, c'est une honte. Hein. Le matériel pas partagé alors qu'on est censé soutenir, hein, voilà. C'est une honte, hein. C'est une honte. Bah, vraiment un scandale. Hein. Bah, apparemment ça arrive, mais bon. Voilà, faut rester, voilà. On est. Hop là, on est 3, donc donne-moi un char, on va faire un carnage. Voilà. Si on va le perdre direct, on va revenir tout penaud, la queue entre les jambes. On a intérêt à assurer, tu t'es engagé là, quoi. C'est toi qui tire, hein. Pas de problème. Merci, commandant. Ah. C'est parti les copines. Allez hop, hop hop hop, hop pas de course. Ah.
Ah, me v'là bien à mon aise. Bon. Allez hop. Oh Ruth, j'ai trouvé un endroit où aller, ok. On décroche sur Serville. Est-ce que on peut, est-ce que ça vous chauffe, on va à cimetière directement. Ça marche ou pas pour vous? Moi ça me va. Où ça? Cimetière, en G6. Ok. Merci. Eh, ça tient bien dans le coin là. Ouais, il faut, tu peux mettre ta marotte. Tu vois la route là, à gauche. Prends à gauche, prends à gauche, prends à gauche. Voilà. Et apparemment au bout de la route, il y a du monde. Il parle de marqueur de placement, tu peux en mettre. On va y aller. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah ouais, je continue sur la route. Oh, c'est parfait. Bah, let's go. Ah, c'est quand même plus sympa quand il y a un conducteur, hein. Ah, ça pour sûr. Salut. Sachez, mon cher Carnéchon, que vous conduisez très bien. Ah, t'as vu un mec? Ouais, il y avait un mec. Là, au bout. Le feu. Couché. Rien de couché, ça c'est bien. Ici. À gauche. Ah non, mort. C'est bon. Mort. C'est bon. Alors dites-moi hein, si vous en veillez autour, parce que la tour elle met du temps à tourner. Ah ouais, checker la map, ah, il y en a ici, pas là. Mal autour. Cornichon, arrête-toi. Cornichon, stop. Cornichon, stop. Ici, safe. Tout là. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Toi t'es foutu mon pote. Juste là, juste là, là. Là, là, je mets mon doigt dessus. Là, j'ai mon doigt dessus. Là. Encore. Vise par là, là. Pardon, excusez-moi, je suis excité là. Ah ouais, vous avez détruit un avant-poste ennemi qu'on nous dit. Voilà, ça c'est fait. Incroyable, qu'est-ce qu'une gueule. On peut y aller, Cornichon, c'est bon. En route. Ça c'est notre tank à nous. C'est bon. Hop là. Oula! T'as vu ce qui vient de se passer? Non. Quoi? Gauche, droite? En face de nous, il y a toute une escouade qui est morte, donc Ah oui, dis donc! Suivez-nous les copines! Mais c'est une escouade, c'est une escouade, c'est une escouade américaine ou une escouade allemande? Ça c'est bon. Ok, Cornichon, tu vas pouvoir ralentir un peu. Merci. On nous tire dessus, je sais pas d'où, mais on nous tire dessus. Ouais, genre, comme on grimpe. Tu peux te tirer par là-bas à gauche. Corny. Qu'est-ce qui se passe là? À gauche. Je vois rien moi. Bah, je tourne autour de moi. Ah là-bas. Où? En 307. Dans le coin par là-bas là. En 307. T'avais un mec. Y'a des fumées qui ont été posées en 219 les copines. En 219. Ici là. Tire là-dedans là. Dans quoi? Si je pouvais tirer. En 274. 274, il bouge en 220. 220, il est maintenant en 225.
Dis-moi où. Tire un coup. Ah, il veut. Ok, ils arrivent tous là. Feu à volonté entre 200 et 220. Entre 200 et 220, feu à volonté. Oh, ça fait un coup long. Ça fait un bon plan. Allez, on avance. Tu veux que j'avance? Ok, Cornichon, recule. Cornichon. Cornichon, recule. Il est là-bas. L'enfant est là-bas. Recule tout. Je suis plus, je suis plus. Une moteur, il est là, une moteur. Il est là, on va crever, il est là. Ça, il fait péter, fait tout péter. Fait tout péter. T'as besoin de quoi, de anti-tank ou anti-personnel? Anti-personnel, c'est que d'anti-personnel. Anti-personnel. J'ai plus de moteur. On sait, t'inquiète pas, il est là. Là, là, c'est là, t'es là. Attention, on a de la fonderie juste à côté. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Sur ma droite. Oh. Tu nous as raté l'enfoiré, ça me dégoûte. Ah, ah bah j'ai vu, j'ai vu. Il est par là, ouais. J'ai vu. Est-ce que par hasard il y aurait un réparateur dans l'armée? Si c'est le cas, on a besoin d'aide. On va se prendre une seule chaîne, je pense. Ah bah voilà. Je l'avais dit. Cro nous dit que tu satures. Ah oui, je l'ai. Ok. Incroyable. Ah, bon, bah, on y retourne, hein. On va bien jouer, la team, hein. Oh là 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 là. On a fait un carnage. C'est qu'il faut le dire. Hein. Ah ouais. Ouais, on est passé à... Ouais, middle, on va au QG2. Ouais, mid, comme d'hab. Commandant, si on pourrait avoir un nouveau tank, ce serait avec du... plaisir et de l'amour. Dis-lui qu'on a fait 13 frags. On a fait du taf, hein. Peut-être un jumbo là, hein. En deux, s'il vous plaît, un jumbo si possible. Voilà, voilà. J'ai répété tout comme tu m'as dit. J'ai tout fait. t'as pas dit on a fait 12 ou 13 frags quand même? Ah non. Il va être fier, le commandant. Il va être content. Hein. Comment, commandant? Qu'on aille se faire. C'est bon, il est là. Ah, elle est là. Ah si, ah si, bah si, l'amour, je l'ai là. Ah, je vous aime, commandant, hein. Sachez-le. Le commandant, je crois qu'il a amoureux de moi, les gars. Okay, c'est parti. On sait comment tu l'as eu, ta promotion, hein. Super, hein. Oh, ouais, comme d'hab. Hein. Let's go cimetière, les amis. Let's go cimetière. Bon, à l'avenir, je chargerai de l'explosif anti-infanterie. Hein. Là, j'ai mis un anti-char, mais... Ah! Commandant, on arrive... on part vers cimetière, sachez. C'est moi où l'armée est vachement dispersée, non? Ouais, effectivement, okay. Hein. Alors, s'il vous plaît, c'est pour tous les teuteux qui sont là avec nous dans la fière armée que nous sommes, s'il vous plaît, que tout le monde, je dis bien tout le monde, aille à cimetière. On reprend cimetière et après on avancera. Mais déjà, on reprend cimetière. Merci. Allez, au pas de course, les enfants. Oh, je crois que j'ai filé un petit coup de main. Ça, c'était pas un mur français, ça. J'ai reconnu. Ah. Bon, va falloir que tu m'indiques tôt les cibles, hein, parce que moi, si je veux tourner la tourelle... Je vais faire au possible, mon ami. Je vais faire au possible. Fumier au centre. Oh, là-bas, y a du monde en face. Oh putain de merde. Tu peux reculer. Si tu peux reculer, ouais, recule. Hein. Ah, à gauche. En 200. Il y en a ici. Ah.
Oula. Oula. Bonne volonté. On est encerclé. Je suis en train de gueuler parce que ça gueule. Merci Carnation. Excusez-moi si je gueule, c'est juste que ça gueule dans le micro des officiers, du coup, j'entends que là. Vas-y, t'inquiète. Attention, on a l'infanterie juste à notre droite et à notre gauche sont derrière les. Ok, ok, champ naturel. Ah là, ici là. Là-bas, au fond. Au fond, là-bas. Ça tient partout. On a rien derrière nous là. Comment? On a personne derrière nous? Non, il n'y a aucune unité ennemie derrière nous. Ah, c'est ça. C'est pas une garnie ennemie en face là? Là là? Oh là! Là où je tire. Je vais la détruire du coup, si c'en est une. Je vais la détruire si c'en est une. Hein. De quoi? Le truc avec les pelles là? C'est pas grave. Juste là, les gars, en 248. Là, je tourne. Il passe. Là, contrôlez. Bien joué ça. Faut qu'on aille à la cimetière, les copains, non? Ouais, mais on est pas aidés. Hein. Je me doute, mais faut y aller. Courage, les copains, courage. Ils sont partout, les vaches. C'est trop d'émotion, ce jeu, pour moi, c'est trop d'émotion, mon frangin. Je te le dis, hein. Ah ouais, pourquoi? Tiens, infanterie à droite. Ce jeu m'excite. Ce jeu m'excite énormément. Il est dans le même. Tu es sûr que c'est une garnison ça? Ça c'est. Je vous le dis, je vois non, c'est non, des non, palettes. Non, ça doit pas rien. C'est des palettes, je vous le dis, c'est des palettes. Bon. J'ai pas zoom donc je vois pas bien. Ah la vache! Ça venait d'où ça? Aucune idée. Ici, ok, je l'ai vu. Je l'ai vu, les copines. Ici, ils sont là. Ils sont là, en 75. Commandant, si jamais on s'en sort pas vivant, sache que je vous respecte énormément. Ils sont vraiment tout autour de nous. Hein. Ah la vache! Mais on sort de là, on va crever. Vas-y, on se casse, on fuit. Ah là 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 là. Continue, fuis. Ici, ça arrive derrière nous. Ah, j'essaye de retourner, mais je tourne, mais. Vas-y, trace, c'est bon. Ici. Là, là. Je descends pour réparer. Je crois qu'il est mort. Et alors Indique-moi des positions hein. Ouais, j'essaye. Je descends réparer. Ok, fais gaffe à toi. 7, en 7. Bon, normalement je suis protégé avec le mangeoire. Ah, y'a lance-roquette qui est là. Il va nous tirer dessus. Je recharge. Il nous a raté. Celui-là. J'ai détruit un avant-poste ennemi. Il faut tirer là. Comment, commandant? Ah, on est en train, on donne tout là. Sachez qu'on donne tout.
Dis-moi mon cher Cornichon, t'arriverais à monter au nord là ou pas? Ou c'est tendu? Ouais, je répare un peu et puis je remonte. Vas-y, vas-y. Ah ouais, tu répares? Ouais, je suis en train de réparer. Mais tu peux réparer? Mais ça... Ouais. Non, on m'a jamais dit ça, je savais pas qu'on pouvait tout ça. Toi, t'as pas fait des classes, toi, hein? Non, bah, je suis passé sur le bureau, moi, pour arriver ici. Tu peux mettre un marqueur en bouche. En 330, tu peux tirer un coup, là? En 330. Ok, et il t'a demandé un truc, je sais pas ce que c'est. Pardon? Pardon? Bah, redemande-lui. T'as demandé quelque chose? J'ai pas entendu. Si tu... Est-ce que tu peux mettre un marqueur déplacement sur un endroit où tu veux que j'aille? Bien sûr. Bon, et ton type, je l'ai vaporisé. On va aller là. Tu l'as vu celui-là, c'est un an ou pas? Ouais. Ouais, c'est parfait. Allez, on est... A dit au commandant qu'on est encore en vie, hein. Ça va peut-être pas durer, mais... Bon, de toute façon, c'est perdu là, mais... Bon, on se battra jusqu'au dernier oignon. Ouais, c'est perdu, mais au moins, on... Eh, on aura passé un bon moment, droite, hein. En 180 ici à droite safe en 200. Deux avant-postes ennemis détruits. Hop là. Un avant-poste a été détruit, chef. Bah bien joué vous, c'était cool. Merci pour tout. C'était drôle. Derrière nous les copines. Je tourne. Mais fumez-le, bon Dieu. Encore, là, il est là. Bon. Écoutez-moi bien les copines. Je l'ai abattu. Je suis sorti, je l'ai abattu. Ah là, c'était drôle. Je suis en soudation, mais c'était drôle. Bon, allez, ça va. 29 morts. Pas. 29. 29 morts, on a fait... Un carton, on a fait un carton, hein. On a fait un carton, c'était bien, ouais. C'était bien. Faut y revenir comme café. Je pense qu'il en restait. Bien. Bon. Du coup, les enfants... Merci, le VAT, merci. C'est drôle, le tank, hein. Vraiment, ouais. Le tank, c'est vraiment très très drôle. Ah, dis donc, tu crèves un peu moins facilement et t'as vraiment une coordination d'équipe immédiate, ce qui fait que... Ça marche beaucoup, ouais, t'as quand même un rapport avec le commandement, du coup, c'est machin, et tu sens que t'as vraiment un poids dans la bataille, tu vois. Genre en mode, ouais. Comme t'es une petite forteresse mobile, bah du coup. Ça me rappelle certains jeux stratégiques avec le Gaïpar, mon cher ami. Ah oui. C'est Ocelor. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il est quelle heure? Il est 22h. Soit on en refait une, soit on passe sur un autre jeu. C'est ça la question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, Raft, faut que je leur... Si on fait Raft après, faut que je le réinstalle. Ça peut prendre deux secondes, hein, mais... C'est pour toi. Soit on continue à faire ça... Soit, voilà, je sais pas. Vraiment, là, je n'ai aucune chance. J'ai un sentiment, sache que j'ai un sentiment mitigé. Sur le moment. Je sais pas. Donc, le tank m'a beaucoup fait rire, il faut le dire. Voilà, le tank m'a extrêmement fait rire. Mais voilà. C'est combien de temps une bataille? C'est 45 minutes une bataille. Bon, une petite derre. Et ensuite on voit. Bon, allez, on recommence, allez, on tourne. Allez, hop, directement en blindé. Moi, je vous le dis. Allez, créer une unité blindée. Boum, la dogs, elle est là. Hop là. On arrive, on se met en mid et c'est parti. 1h30 maximum. Ouais, c'est maximum, voilà. Bon, en moyenne. Voilà, là, c'est bon, ça va être une guerre éclair, là. Voilà. On l'a déjà fait. Regardez. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre, si on ne sait jamais, on est sur quel serveur déjà? Le 133, je sais pas quoi, mes couilles. Non, l'oignon fait la force. L'oignon fait la force, c'est vrai. Je peux pas tirer à la... Bon, j'en sais rien, moi. Je peux pas faire un petit coup de semonce? Non, on est en échauffement. On peut pas le faire, en échauffement.
J'aurais bien. Vous voyez, j'aurais bien. Oula, je fais le tuer. Ah. Bon. Bonsoir, comment on se retrouve? Ah. Avec la peine. Allez, non mais cette fois, cette fois, tu veux pas être commandant? Attends. Attends. Allez. Vas-y, attends. Salut, Croc. Un plaisir. Plaisir de te rencontrer. Merci. De même. Alors, dis-moi, Croc, est-ce que tu es un bon conducteur? Je me débrouille, on va dire, ça va, ouais. Est-ce que ça te va d'être notre super chauffeur? Oui. Oui, bah c'est parfait. Un chauffeur, c'est incroyable, n'est-ce pas mon safer? Bon alors maintenant il nous faut un char T35 et puis on se... Non, c'est côté, c'est l'autre côté ça, c'est l'autre côté ça, ouais non, c'est pas T35. Un char tigre s'il vous plaît. Ah ça sera bien, un petit char tigre là, ça fait plaisir. Bah attendez, il est là, je le vois. C'est parti, let's go. Ok, c'est parti. C'est un tigre ça? Bon, il est un peu plus petit, non? Il est un peu plus petit qu'un tigre, le tigre c'est plus balèze. Bon ben montez à bord les copines, hein. Allez. Ah merde, attends. Tiens, prends le... Échange de place, Croc, à la conduite, mon Croc, s'il te plaît. Pouf. Je monte du coup. Hop, tu montes. Voilà, et ben c'était... Canon paré, chef. Et on est parti, les enfants. Je prends alors, plus direction. On va à batterie, mon cher. Hop là. Ici. C'est bon pour toi? Ça marche. Allez, let's go. Dites-moi, chef, je prends de l'obus perforant ou de l'obus anti-infanterie? Anti-infanterie pour commencer, mon cher Cypher. Alors j'ai un problème, je crois que j'ai pas bind mes touches ou je sais pas. Appuie sur mage pour passer de vitesse. Attends, oui, je sais très bien, mais genre, je sais pas pourquoi, il y a toutes mes touches qui ont été débind. Attends, je vais vite faire vérifier. On a tout notre temps, ne t'en fais pas, la guerre ne compte pas sur nous pour gagner. T'en fais pas, tout va bien. Bon. En tout cas, j'espère que vous passez un agréable moment. Et je vais essayer de pas crier, mais excusez-moi, hein, c'était... J'étais sous la pression tout à l'heure. Désolé pour vos oreilles et vos tympans. Il faut vraiment qu'on achète ça, mon safe test, c'est ce que tu m'as dit. Ok, c'est bon, c'était des binds. Ok, d'accord. C'est parti. Non, comment ils disent en allemand? Wunderbar, c'est ça. Oui, non, c'est un compresseur, oui. Un compresseur. Ça fait qu'on pourra être les nouveaux Zerator du streaming français et gueuler. De tout notre content. On va qu'on achète ça. Bon, on devrait croiser personne normalement, ça va bien se passer. Il y a un camion là, il revient, il vient du coup. Sur batterie du coup. Ouais, on va sur batterie. Ok. On va sur batterie et comme ça, après de batterie, on remontera avec Ennemi. En fait, on va safe la place derrière en fait. Ah. Bon, je pense qu'en face ils ont aussi sorti les tanks. Vous me direz merci Sherlock. Merci Sherlock. Oh là là, je suis en soudation. Bon. Alors, dites-moi, mon cher Croc, ça fait longtemps que vous conduisez des chars, vous? Bah, je n'ai conduit quelques-uns. Ah bah voilà! Au moins, il sait ce qu'il fait! Ah, ok, parti. Vous m'en voudrez pas, je prends les routes parce que je me suis bloqué plus d'une fois dans les tranchées sur cette map. Ouais, pas de soucis! Non, t'en fais pas.
Ok, changement de plan, croc. Continue toujours tout droit et on ira à Yakami. À Yamki, du coup. Ok. Ok. Yamki a été capturé. Ah, tank. Attendez, tank en G là. Dis-moi où. Ah, il est loin. Mon cher Croc, une fois que tu arriveras au bout de la route, il y a un carrefour, tu t'arrêteras au carrefour pour l'instant, ok? Ok, reçu. Ah, il est carré chez lui, hein. Tu sens que c'est un mec, non? Trouve pas? Et tu veux que je commence à prendre des obus anti-char là? Si on croise du char? Non, il y a encore. Ah, si, ouais, si, prends des anti-char là. Full anti-char, frère. Full anti-char. Ah, je change. Pas... Pourquoi il a tiré? Mais pourquoi vous avez tiré? Ouais, il fallait que je switch, j'avais déjà un obus dans le canon et je pouvais pas l'enlever. Ah merde. Anti-char, pareil. Commence à ralentir, Croc, s'il te plaît. Ok. Char ennemi là. Char ennemi en 40. Veux. Je sais. Faut. On est aligné. On continue. Ok. T'arriveras à réparer ou pas mon short croc? Ah, bon, ah, il s'est fait prendre de court. Ah, il m'a tiré un obus de plus, je. Ouais, on s'est fait avoir. Ouais, on avait pas un char lourd hein, non plus. Hein. Non bah oui c'est ça, on a un petit truc. Bon bah on retourne au. On avait un petit char léger. Et puis voilà. Oui, bon on va gueuler auprès du commandement pour qu'il nous envoie un truc plus lourd. Ouais. Commandant. Bah surtout qu'on était de phase donc char, s'il vous plaît. Ouais. Ah putain, y'a pas de commandant. Bon bah yes, let's go. Merci commandant. Bon on va patienter un peu. Non, t'es plus là. Merci Val. Du coup, qui a apporté le siffleur et la linasse? Parce qu'on a un peu de temps. Tiens, on va aller observer les. Tu veux pas qu'on aille observer les artilleurs là? Alors. Dites-moi, brave Jean, il paraît que c'est super compliqué d'utiliser ce bousin. En vrai, c'est comment? Ils sont pas bavards. Ils ont pas l'air très bavards. Ils doivent rien. C'est à cause des explosions, ils doivent rien entendre. Nous, on a des protections sur les oreilles, tu vois. Si tu veux venir me recharger, tu peux. Ah! Bah voilà! Frère, tu parles avec le truc de groupe, pas en global. Ok, t'entends trop. Merci. Un lourd, si possible. Ouais! Tu as un lourd. Ouais, bah un tigre, bah ça me va, hein, c'est parti. Hein. Ah, y'a un tank qui est apparu là! Merci, commandant! Ah, enfin, je dois y aller, notre tank est arrivé! Pas de soucis, bonne game! Merci, vous aussi! Faites gaffe, y'a un IS-1 vers les moulins! On fera attention! Il a dit une IS-1 vers les montagnes! Vers les moulins, pardon, vers les moulins! Ah bah, le moulin! Il est pas beau notre tigre là? Ça, c'est un vrai char tigre! Ça, c'est un vrai char ça! Ça, c'est un char tigre, je reconnais ça, ouais! Voilà, donc alors vous moquez, allez, parce que ouais, Dux il est il se lève sous le bureau et tout, mais voilà ce qu'on a, hein. Voilà. Alors là ils peuvent venir en face. Allez hop. Bon bah on retourne là où on est mort, écoute, hein. Allez hop. Ouais. Alors, le gars à l'artillerie m'a dit il faudra faire attention, il y a une IS quelque chose au moulin. Je sais pas ce que c'est. Au moulin. Ouais, au moulin. Okay. Ouais, c'est là où on ça va. Ça doit être un blindé des légion. D'accord. Ouais, de toute façon, c'est là où on va, donc on va bien voir. Donc, let's go les enfants. On va partir. Alors, c'est sûr que pour vous qui connaissez le jeu, ça doit paraître. Mais on espère que passer quand même un bon moment. Ce sera légèrement moins rapide, mais on a le blindage. Oui, voilà. C'est ça. On va choisir, on préfère être plus lent. Une fois qu'on y est, on y reste. Quoi. Mais
Techniquement, qui s'est réparé ce bousin? Il faut un truc spécial pour réparer ce bousin ou pas? Bah pour réparer il faut comment dire des ingénieurs. Mais d'autres squads quoi. D'accord. Bah comment ils faisaient pour réparer? Non je crois pas qu'on peut réparer. Enfin il me semble pas. À moins qu'ils aient ajouté un patch. Ouais parce qu'il y avait dans la partie d'avant il y avait un type qui était dans le tank et qui nous avait réparé je crois. Ouais. Ah bah je sais pas, peut-être alors. Je sais pas. Mais pas de à droite, pas aller à gauche, gros, pas aller à gauche. Bon Dieu. Mais bon Dieu. Ouais bon la guerre elle nous attendra encore un petit peu, c'est pas grave. Ouais voilà, c'est bon. Je file le petit coup de vinaigre s'il te plaît là. Allez. Attendez, je fais un test du canon histoire de voir. Je vise la maison là-bas. Réglementaire. Vous l'avez raté, non? Ah non, 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 j'étais dessus, j'étais dans le salon là. J'ai éteint la télé et tout et tout. Ok. Ah. Bon. Full droite. Je sais que je dis ça un peu en arrivant les pieds sur la table, mais en vrai, la guerre se passe vachement mieux sur cette game que sur la précédente, non? Effectivement. En tout cas, le commandement, il a pas l'air très chaud, hein. Je te dis, ça y va de... Ouais, mais ça paraît vachement mieux organisé, tu vois. Pas tout le monde barré à droite et à gauche. Bon. Les équipiers et le commandant de char possèdent un deuxième loot d'équipement qui se débloque avec l'XP de classe. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me doutais, c'est que ouais, quand tu prends des niveaux, comme pour les armes, pour les autres classes, tu dois avoir un truc qui permet de réparer. Okay. Ah, et du coup, c'est vraiment pratique. Ah vous voyez, bah là, c'est là qu'on a été flingué là juste avant. Ouais, j'étais en train de regarder ça. Donc ouvrez l'œil, ils sont peut-être encore dans le coin. Surtout qu'il y a des morts droit devant apparemment. Oups. On s'arrête au même endroit du coup. On va avancer encore un peu. Suis la route, on va voir ce qui se passe. Si tu peux aller un peu moins vite, genre ralentir un peu. Sur le passeur sur compte comme tout à l'heure. Ah, je sais pas si c'est de la fumée en bas. Non, c'est la fumée de la... Il y a peut-être... Attendez. Par là. Explosion à droite au fond. Par là, ça, j'ai l'impression que ça vise, ça tire et tout et tout. Alors attention par là. Je sens qu'il y a du monde dans là-dedans là. Ouais, vu derrière la maison. Derrière la maison, il y a du monde. Ok, dans les champs. En 10. Ok, je me stationne ici. Ça marche. C'est la déroute par là-bas, là. Par ici, derrière la maison, c'est la déroute. Gros, tu peux... Vous me dites si jamais il y a une menace, hein, parce que moi je vois pas. Il y a du monde derrière la baraque, là. Gros, tu peux avancer un peu pour te passer derrière la baraque, suivant la route, là. Ah,
Allez-y là, je suis là. Tank ennemi, tank ennemi. Tout droit, tout droit, tout droit. Tank ennemi, ça. En 12. Oh la vache. Bon bah y avait un tank et un AT visiblement. Ouais, ouais, comment c'est tout pris quoi. On a tout pris tout mais genre... Bah ils ont concentré les feux quoi. On s'est pris un tir de ouais azimut 12 et puis on s'est fait péter de derrière. On s'est fait péter de feu. Ah pourtant j'ai derrière la baraque j'ai dû en abattre 5 je pense. Il y en avait un dans les champs et tout mais ouais j'ai pas eu le temps de tourner pour choper le tank. Tant pis. Bon en tout cas le front avance. Alors la def, le tank est tombé. Il y avait énormément de monde en E5. Donc, ah, t'as fait 3 kills. Voilà. Sachez-le. 3 ? Ah ouais, c'est moins que ce que je pensais. Bon, du coup, ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen de ravoir un tank du coup que Valentin, commandant, ce que tu veux ? Ah, bah c'est nickel, j'ai rien dit. Oublie. Tu fais un super boulot, super. Ah mais tu peux prendre le complément. Il prend pas le complément. Ah Lovat, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai vu que les snipers et les fusillés automatiques, je crois, ils avaient une arme qu'on pouvait débloquer, c'est une FG FG42, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est une un genre de sniper semi-auto. Est-ce que c'est bien? Ah, faut qu'on échange de place, Dux. Bah ouais, mais t'es rentré. Tu sais que t'auras pas le temps. Bah monte. Mais te barre pas sans nous, gros. Mais bon dieu. Ah merde. Mais bon dieu. Vas-y, monte. Je vous ai vu dans le char. Oh, on s'était trompé de place. On est parti. Bon, ils sont. La zone 5 a été nettoyée ou pas du tout? Ils sont en kikina en face, ils résistent bien. Il y a des gens qui sont préparés quoi. Ok. Direction en E5. Direct tous là, E5. Ouais, ils étaient bien massés, hein. Il y avait un véhicule léger ennemi, un blindé ennemi et de l'infanterie. Ouais, oui. Tout est massé là. Faut qu'on aille, qu'on fasse du nettoyage. Il faudrait qu'on arrive à se foutre pas mal à distance, quoi. Faut peut-être pas trop qu'on prenne le front, sinon on va se faire éclater à chaque fois. Alors, oui, la semi-auto en sniper est vraiment chouette, en plus, ils viennent de corriger les bugs dessus. Ah, bah moi je serais intéressé. Heureusement que les tanks sont fournis par l'armée. Ah, oh, bah clairement. T'imagines, on est payé avec nos impôts, l'enfer. L'enfer, ouais. On est déjà dans le rouge. Alors, avec... ok. Et donc celle-là, c'est la version avec le viseur, il me semble, pour le sniper, mais t'as une version sans viseur qui est tenue par le fusil ou fusil automatique, et je sais pas ce qu'il y a beau aussi. En fait, là où ça nous désavantage pas mal, c'est que pile poil où il y a le combat, en fait, il y a une petite montée, et eux, ils sont dans la pente. Ouais, et du coup, forcément, ils ont l'avantage. Ah ouais. Donc je pense qu'à la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est passer vers la gauche et passer derrière le moulin. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? À gauche. Ouais, je vois. Super. Parce que là, en fait, nous, on est obligé d'aller vraiment au plus proche d'eux, tout au-dessus de la pente, pour pouvoir les voir, quoi. Sinon, ils sont hors de portée. Je vois sur la carte, il y a un camion de transport en E5. Ah bah c'est le commandant, il pète un câble, il fait un drive-by en plein E5. Il est tout seul. Ah bah je dis, c'est courageux lui. Donc, là il faut qu'on passe entre les deux moulins, apparemment il y a du monde. Donc on va arroser. Ok. Ça
Attention, ah, non, le commandement il fait pas les choses à moitié là. On avance vite. Hein. Full à droite. Voilà, tout droit. Parfait. Safe, reste attentif. Ouais, je suis attentif. Ok, toujours droit, change rien. Alors, oh, sur notre gauche, je crois. Où ça? Mais où ça? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on s'est fait toucher par la gauche. Oh la vache! Ouais, moi aussi, j'ai un peu par la gauche. Pinguez si vous voyez du monde, n'hésitez pas à pinguer. Celui qui a le scope. Ah là, mais tu bosses très bien, hein, continue. Ah, moi je vois pas d'où il nous tire. Là. Ah bah allez, prends le compliment. Je vois pas non plus. Où est-ce qu'il est, cet enfoiré? Bah, ah, dire que moi je vois pas grand chose. Y'a après des petites en. Ok, bougez pas, j'en reviens. Bougez pas, je reviens. Je sors du tank, je vais aller voir ce qui se passe. Voilà. Je pense qu'on aurait dû limite tracer vraiment sur le point. Ouais. On se fait défoncer. Mais on n'arrive pas à passer, il y en a un qui se planque là. On n'a pas de chance, hein. Franchement, les Atis sont chauds dans cette game. Ouais, regardez, après Diamki, il y a une garnison qui est en train d'être prise. Ils sont en train de faire tous des pop. Oh la vache, comment on va sortir de cette merde. Parce que c'est vrai que d'un côté, toutes nos défenses sont sur la quatrième zone là. Enfin, toutes nos forces sont sur la quatrième zone. Par contre, ils doivent avoir pas mal de petites escouades qui doivent être derrière nos lignes. Tant qu'ils reprennent pas le truc de milieu, on reste sur rien, tu vois. Ah ouais, donc du coup, vaut mieux en fait tracer en offensif. Enfin, sur le front, histoire de plier la partie, quoi. Salut, l'idée. Attends, je vais aller aider l'artillerie en attendant. Est-ce qu'on a un tank qui va être livré pour le commandant ou quoi? Oh merde. Ok. Commandant, il y a moyen d'avoir un tank ou pas du tout? Question. Parce que sinon, quitte à tracer, autant se prendre le tank léger tout tank à droite. Un tank léger et rapide. Et puis vraiment, franchement, est fort. Ouais, je suis d'accord. Le commandant t'auras ça et voilà. Bon, d'accord. Alors, fusil automatique, et contrairement au sniper, elle a un chargeur de 20 bastos sur 10, mais c'est du full auto. D'accord. Ah, c'est full auto. Ah oui, ça va peut-être un peu vite, du coup, à partir les balles. Bon, ceci dit, dans ce jeu, hein, tu prends une ou deux balles, t'es mort. Hein, donc. Mais d'accord, ouais, donc c'est peut-être pas super pratique. Je pensais que c'était un peu en mode, tu peux faire du tir semi-auto. D'accord, c'est pas une arme très polyvalente, là, du coup. Ouais, donc du coup, pour le sniper, par contre, ça doit être vachement bien, quand même. Alors, comment ça va ici? On est bien, on est heureux? Ah bah nickel! On tue des attends! Bon, tu les rates parce qu'on revient souvent quand même, hein! Le commandant, il a donné quand même de l'argent, hein! Il nous a redonné un char tigre! Ah mais le... Franchement, il est généreux, hein, parce qu'on n'est pas le meilleur équipage de tankies! Après, on est le plus dévoué. Non, mais le commandant il m'aime bien. Le commandant il m'aime bien, c'est pour ça. C'est pour ça. Et puis on a peut-être pas les plus vaillants, mais on est plein de bonne volonté. Et alors ça. On aime faire de la route. On monte directement au front. Hein. On trace front directement. Après, le mieux ça reste de tirer en rafale manuellement avec. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais, alors on va peut-être être freiné parce qu'on arrive clairement le plus loin. Mais au calme. On y croit. Vraiment regarder à notre cul, hein, parce que franchement, de devant, on risque rien avec ce tank là, mais regardez vraiment à notre cul s'il n'y a pas des AT. Ça marche. Tu sais quoi, je m'en occupe. Surtout quand on va passer là le point critique au niveau du croisement et des moulins.
Ouais. Faut faire. Bah en fait, d'après la carte, il était sur notre route, enfin sur la route, sur notre gauche. C'est moi qui au croisement. C'est moi qui ai posé ça là. Ah ok. Excusez-moi, j'ai jamais su lire une carte. Le truc bleu là, ça c'est lire. Regardez, c'est le commandant. Coucou commandant. Coucou commandant. Il a klaxonné. Mais attendez. Je reconnais, c'est le seul ça. On cabre, comme Jules. Tu sais, on va planter le tank devant le commandant, tu sais. Voilà, il est bon. Est-ce que je le prank et je lui tire un petit obus? Il a peut-être pas apprécié. Il est devant là, je pourrais hein. Je pense que le petit tir de petite mitrailleuse, ça lui ferait pas de mal. Attendez, vachement bien. Arrêtez. Moi j'ai fait un tir. Il en saura jamais rien. Do it, non. Je sais pas. Non, c'est faux. Mais arrêtez là-dessous là, ça suffit. Et il va reposer du supply pour mettre une garnie sur une équipe. Ouais. Il est vaillant le commandant. Ah mais les tanks qu'il a, c'est carré. Hein. Heureusement qu'on est là pour le faire rire. Hein. Attends. Comment, on s'en occupe. Les copains, stop. Char en 7. Ils nous visent. Char en 7. J'ai vu. Ils nous visent. J'ai vu. Je tourne. Il recule. Attends, il est où? Tu veux me le pinguer? Bah, si, ça s'arrête de tourner là. Pingle-moi. Ah, je peux pas me le pinguer là. En 8. Je le vois pas, hein. Je le vois pas. Je te dis, tire sur mon point. Et contre, tire sur mon point. Plus haut. Tu peux zoomer avec le tir. Ah, je zoome déjà, hein, mais pour moi c'est la pampa. Okay. T'es sûr de ton coup? Je suis sur mon coup. Continue d'avancer. On va essayer de le choper à l'arrière. Bon, je suis au zoom max, hein, mais... Dès que je le vois... Ah ouais, d'accord, là il vient de tirer, je pense. Il doit être au même endroit. Ouais, il est nord. Ouais. Je le vois toujours pas, mais j'ai vu la fumée du canon. On va arriver droit dessus. Ok. On va falloir être réactif. Ça, prépare-toi. Préparé, c'est chargé de. Commence à ralentir un peu. Oh merde. Vous voyez? Non, toujours pas. Il va juste derrière la colline, ok? Il va te mettre sur la gauche. Sur la gauche, je dis? Ok. Stop, par là, tu commences à tourner un peu vers la gauche encore. Il va être par là. Par là? Hop là, c'est ça. Là, on arrive dessus, non? On arrive bientôt dessus. Il doit être là, à la gauche. Vas-y, à gauche toute. Ah oui, on est bien dessus là. Allez, feu. C'est bon. Bien joué l'équipe. Allez, on rejoint l'armée. Dis-le vite au commandant. Merci. Dis-le vite au commandant avant qu'on crève. Au moins il se souviendra qu'on en a défoncé un. Et puis là, directement, défense en profondeur. On y va.
Il avait l'air content, le commandant. Voilà, on speed. Là, on speed. Tout. Mais tout. Bon, ils vont revenir. Ils vont être énervés qu'on ait fait des rayures sur leur carrosserie. Supériorité allemande. Ouais. Oui. Mais non, Deutsche Qualität, évidemment. Deutsche Qualität. C'est un tank détruit qui est là-bas. Y'a du monde ou quoi? Je regarde. Ouais, là-bas en face, bougez plus. Ok, en 10. Ouais, je tourne. 10 à peu près, on est à peu près aligné, ouais, on est aligné. Oh la vache! Ouais. On refait. Je recharge. Ouais, on peut pas être plus aligné. On est de face, on risque rien normalement. Plus haut, essaye de le plus haut, c'est possible. Tu le touches. C'est bon. Je sais pas si c'est nous qui l'avons tué. Tu peux tirer en 17 là. En 18, 17 là. Essaye. Sors par là. De l'anti. Ok. Ok, Croc, tu peux avancer. Oh merde. C'est bon, on avance. Au niveau de la fumée là-bas, il y a pas mal de morts, il doit y avoir du monde. Y'a un médic, il y a tout, je vois pas grand monde là. Mais commandant, vous avez fait un très bon boulot, vous avez été très cool, professionnel, rien à dire. Une victoire bien méritée. Bien joué, GG, bien joué tout le monde. GG, super commandant. Allez hop, le 5-0. Oh bah on finit bien. On avait un commandant d'une Deutsche Qualität, je vous le dis, voilà. Para, para. Bah c'est pas mal ça pour le coup, non? Ça s'est bien passé tout ça. On a pas fait beaucoup de kills comparé à la game précédente. Alors, on avait fait 29, là on en a fait 5, mais c'est surtout joué sur la fin. On a été beaucoup bloqué aussi. Oui, on a été beaucoup bloqué. Le temps de revenir était ultra long, on avait des gros chars bien lourds, c'était compliqué tout. Pam. On va faire une petite pause là. Bel équipage. Bah oui. Attends, comment on dit bel équipage? C'est où le chat? Entrez. Ah. Moi aussi, je veux féliciter là. Page up. Non. On n'a pas le droit ou? Je sais pas comment on fait. Bon bah tant pis. Désolé hein. On aurait bien voulu, mais on peut pas. Sache, bel équipage, Cormig. Bien joué à toi. Bien joué. Allez hop. Incroyable. Quittez le serveur. Hop, hop. K ou L. Ah, bah trop tard. Ah bah. Bonsoir. C'est vrai que j'oubliais que. Merci, Lovat. Merci à toi. Pour le coup, on va faire une petite pause, les enfants. Ouais. Voilà. Et on voit ce qu'on fait après. On voit ça au retour de la pause. Hein. Voilà. On fait quoi, 5 minutes? Ça te va? Allez, 6. Alors, 5:30. Allez. 5:30, mais vraiment parce que c'est vous. Voilà. Pouf. Oh, ouais, j'ai chaud, mais j'ai tellement chaud, mon frangin. Tu savais, j'ai tellement chaud. J'étais trop dedans, tu vois, j'étais à fond dedans. Ah oui, d'accord. Vous allez prendre un petit verre d'eau tranquillement. Petit verre d'eau, la pause pips là. Donc on se dit, voilà. Donc ne bougez pas, hein, vous cassez pas. Restez avec nous. Regardez comment on est bien. Le temps de s'acheter un petit et on revient. Voilà, alors attends, juste pour vérifier un petit truc avant qu'on parte en pause. Tu vérifies quoi? Je passe sur le blabla. Est-ce que il marche toujours? Le widget, il... J'avais dit que je le changerais. Hein. Le widget n'apparaît pas.
Tant pis. Bref, c'est allez. Grave. Allez, des zou. Bisous et à tout de suite. Enfin, des... enfin voilà. Le temps de s'en jeter un. Et on arrive.
tout le monde. Alors du coup on est reparti. Et donc breaking news. On reste sur Alain Clouse. Voilà. Alors, allez. Pour une ou deux parties, tout dépendra du temps de la dite partie. Voilà. Donc, let's go, on repart sur s'engager, on va aller directement en historique pour essayer de choper le même serveur, parce que les gens étaient vachement cool sur ce serveur-là, j'ai l'impression. Oui, oui, bah, les gens ils jouaient sérieux, quoi. Ce qui était bien, c'est que... Mais j'aime bien quand il y a des petites... Oh, ça va, ils étaient ouverts. Il y a des petites wagonnettes de possibles, ouais, on s'amuse. Ouais, c'était cool, Pour ça, je vais manger une chocolat. Du coup, on retourne sur Loignon. Loignon fait la force. Ah ouais. Ah. La praline, c'est pas mauvais, mais c'est quand même écœurant. Hein. Moi, je bouffe deux chocolats, je suis rassasié. Ah ouais, monsieur, ça envoie. La praline, c'est vraiment un concentré de... C'est trop. Ouais, c'est vraiment trop, quoi. Pour moi, la praline, c'est comme si je bouffais trois Kinder Bueno d'un coup. Ouais. Non, tu prends même pas le temps de les mâcher, tu les avales tout rond, tu vois. Tu les avales direct. Après, j'ai des chocolats là. Mais... Comment ça, y'a plus blindé disponible? Quoi? Bon. Bah snipe. Faut qu'on débloque. Parce que les recos sont déjà prises. Aussi. Oh. Bon bah. Non, attends, si on peut faire des blindés, pardon. Ah oui. C'est bon, tout va bien. On y va. On va se battre à Sainte-Marie-du-Mont en Normandie. Si je veux à 44, le jour J. Hop là, appareil. QG2, mon frangin. États-Unis, Allemagne. Allemagne. Très bien. Quelle unité? Bonsoir tout le monde. Love. Vous me paraissez bien joyeux ici. Ça fait plaisir. Je vais rejoindre Love, je peux pas. Oui. Conserver le rôle. Ah oui, c'est moi, je suis pas. On va où? Deux, je t'ai dit. QG2. Je t'ai dit deux. Attends, est-ce qu'on t'entend? J'ai un doute. Comment ça, est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Non, si, c'est bon. C'est bon. J'avais un doute si je nous avais repassé sur Stream Discord, bon. Mais oui, c'est bon. Bon, alors. Il est où le char? Bah, il est là, regarde. C'est lui. Ah oui, comment il est beau là. On lui installe un petit lance-patate sur le haut et puis on est bon. On est parti, allez hop. En avant. commandant, est-ce qu'on peut avoir un tank s'il vous plaît en deux? C'est possible. Le bat-signal. P4 s'il te plaît. Bonsoir les amis, bonsoir à toi Benji. Bonsoir Ben, ça va? Merde, c'est le bat-signal. Il marche pas en plein jour. En deux s'il te plaît. En deux. QG2. QG2 s'il te plaît, commandant. Bonsoir. Je sais pas si on peut abattre les avions. Je sais pas. Je pense pas. Mais attends, mais il est là notre char, regarde. Il est là. Ah bah c'est à dire qu'il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Alors c'était un char tigre. Bah, putain, le char il me l'a balancé. Non, ça c'est bon. C'est pas j'ai long, pété quoi. Un boulon en fait. En fait j'ai pété un boulon. Je vais me servir en sardine en attendant. Chris Cacola. Ça c'est des clopes. Ou des allumettes. C'est des allumettes ça. Mais putain, mais il fout quoi le commandant? Et ça. Perle de. Normark. Perle qu'est-ce de. C'est Normark. C'est quoi la perle Normark? Je lis les conserves. Ah. Perle. Normark. C'est pas. Tu crois que c'est du thon ça? Ça on dirait des boîtes de sardines ça. Ah ouais, ça c'est peut-être des boîtes de thon. Des grandes boîtes de thon, dis donc. Des grandes boîtes de thon là. Oh, ça me rend fou ça. Et nous on est laissé pour compte. Oui. Ah là. Excusez-moi commandant, vous avez envoyé le char ou pas si vous... du coup. Bah
Ah bah là, QG, ça c'est QG, hein. Eh ok, bah très bien. Faut en envoyer un autre, au QG tout à gauche. C'est possible. Il s'est gouré ou tu t'es gouré? Il s'est gouré. C'est fou, oh, yes. Gouré. Bon, je vous ai envoyé 50 chars sur Marseille, vous en faites pas. Il y a tout ce qu'il faut. Mais monsieur, le débarquement, il est en Normandie, hein. Rappel. Discute pas mes ordres, soldat. Vraiment, mais vraiment, le commandant là, c'est un tout autre façon. Ok. Est-ce que le char est déjà prêt là? Tout. Non, c'est pas grave, hein. Je vais creuser une tranchée jusqu'à Berlin. On va. Ah non, je suis du côté. Je suis côté allemand, c'est vrai. Ah, je vais creuser une tranchée jusqu'à New York et vous allez voir. Le hameau là, il se fait prendre là. C'est quoi, c'est teuteux là? Il sait pas lire, il sait pas lire le commandant. Bon, pas grave, on y va à pied au pire, hein. S'il nous a largué un tank. Ah non, non, ça, c'est que nous l'a largué. Merci, on a 1 minute 20 d'attente, donc. 1 minute 20 ? Ouais, 1 minute 20. Yes ! Merci, commandant. Les impacts hein, sont bien mis, hein. C'est bien, hein. C'est bien. Ah ouais? Ah oui. Mmh. On a perdu la main. T'as regardé la map, mon frère? C'est beau, une armée bien. Bien coordonnée. On va se faire détruire. Ils vont tous arriver dessus d'un coup. Oh, mais on est bien planqué là. Ouais, je crois que si tu veux mon avis, notre tank on le verra pas. Commandant, c'en est où du tank? Merci, commandant. Ah, c'est bon. Tu vois? Non, mais la guerre sera déjà finie quand on pourra le piloter. Oh, ça va, c'est bon, attends, je sais faire ça. Alors, bon. On commence par allumer le moteur. Le moteur est là. On prend la route, on va tout à droite. On est où? Le petit chemin. Ok. On est là. Salut. Ouais, salut. Attends, mais viens. Je suis juste derrière. Ah. Si vous attendez. Et bon, c'est bon. On est là. Tu t'es arrivé à temps. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu sais conduire par hasard? Moi, je sais tout faire, moi. Je te laisse le poste. Vas-y, prends. Tu sens sûrement meilleur que moi. Hop là, bonjour. Bienvenue. Problème, monsieur, problème. Je veux pas vous alarmer, les copines, mais on va probablement la perdre, la bataille, là. T'as pris des trucs anti-infanterie, safe? Non, la première elle est anti-char, mais je vais la tirer au loin. Oh! C'est pas passé loin ça, hein? Y'a un truc à notre gauche. À notre gauche? Faut que je tourne la tourelle, ça va être long. Si vous pouvez me le pinguer. Je cherche, enfin, j'arrive pas. En gros, si ça tourne en même temps, je peux pas voir. Hein. Je vois rien. Et sûrement caché derrière la maison là, en face. Le obus anti-char chargé.
le tank qui est en 15, c'est nos potes, c'est à nous. C'est à nous, hein. Il serait déjà jusque là. Ah bah d'après la map, ouais ouais. D'après la map, ouais ouais. Bon, en tout cas j'ai de l'anti-infanterie. Oh. C'est joli à voir hein. Ah, j'aimerais pas être en face hein. Bon. Fonce droit. Faut aller sur le play qui est tombé. Là-bas, il y avait des explosions. Je t'entends très mal. Ah, il t'entend très mal. Il y a du monde en face. Ouais, le mec tombe comme des mouches. Ça, il est en face. Encore, il est encore couché. Ils sont tous là. Let's go. Allez, avant pas se détruire. C'est bien ça. Un avant-poste détruit ici. Ok, on avance. Allez, on avance. Zou, c'est parti. Commandant, on reste en def ou on monte? Question. Tank devant. Feu. Touché, il fume. Ah, il s'est barré juste au dernier moment. Il y en a un autre à gauche. À gauche. Je sais pas si je l'ai eu. Ok. Tu peux aller direction 102. Est-ce que quelqu'un à bord pour réparer le char ou pas du tout? Ouais, je vais le faire. Ça marche. On a un pro avec nous et ça fait plaisir. Ok. Comment se passe la carte? Safe, à gauche. Là. Je tourne. Il est encore loin. Ah, je me suis fait tuer. Où ça? Je t'ai vengé. Je passe le prendre, tu peux pas près de nous là. Ah, je vais essayer de venir à pièce. Tranquille. Dax, ils sont où? Mais j'ai tué. C'est bon. Tous? Voilà. Ah bah y'en avait qu'un. Aïe. Derrière, en 102. Ouais, j'ai le temps de tourner la tourelle, ils seront déjà barrés. Mais tourne dans l'autre côté. Ah non mais... ça revient au même là. Ils sont où? Bah je sais pas. Monsieur, vous avez un tank juste là hein. Mets de la paix, on va aller tuer le tank qui tire. Il est où le tank qui tire? Derrière l'avion. Ok, je le vois pas encore. Il y a une fumée.
En face, il y a un tank. Vu, je l'allume. Encore un à tirer. Je dois tirer avec de la paix, hein, pas avec de la cheu. Ouais. C'était avec de la paix que je tirais. Ouais, faut qu'on bouge là. Ouais, derrière nous, il y en a un. Je vais faire demi-tour. Tu le vois? Je vais passer spotter, je vais te dérouler. A mon avis, il doit être au nord à peu près, mais. J'arrive, le camion. Ah, en rouge, c'est toi qui l'as marqué? J'ai mal. Ah, j'étouffe. Ah. On va essayer de venir sur colline pour que tu puisses remonter dans le tank. Ok. Ah, merci. Ça c'est la boulette. Non. Bon, je crois que c'est foutu pour nous. Hein. Après, c'est clair qu'ils s'attendront pas à avoir un char en plein milieu de la tranchée. Ouais, ça c'est vrai. Ah, du coup, attends, je vais réparer. Ça marche. Vu qu'on est dans une tranchée, j'en profite. Tu fais bien. Mais qu'est-ce que j'avais foutu? Il a bloqué le char dans une tranchée. Ah, c'est pas moi, hein. Ah bon? Bah, c'est qui conduisait? Ah, c'est pas moi. Je sais pas, mais c'est pas moi. Quoi? Vous êtes que deux là-dedans, pourtant. Attends, il a dit c'était pas lui, alors c'est bon, hein. Il était en train de venir de nord-ouest. Je sais pas si t'arrives voir de nord-ouest. Nord-ouest, attends, je vais essayer. Là, je suis plein sud. Non mais, je suis déjà mort là, c'est quoi cette histoire? Ça va être cool, ça sur les enfants. On va pouvoir relancer une. Merde, je me suis fait avoir. Ouais. Ah oui, au moins, je t'ai réparé jusqu'à la fin. Bah, c'est sympa. C'est bon. Ils vont me contourner. Je vais rester là jusqu'à la fin de la guerre. Ouais. Ils seront bientôt maîtres. Ils seront peut-être bientôt maîtres de notre QG, mais ils n'auront pas notre tank. Jamais ils toucheront. Ah! Eh ben si, ils l'ont eu. Putain. Ah bah du coup, voilà, un tank qui va repopper normalement. Ouais, de toute façon, c'est fini. De toute façon, c'est loose là.
Bah GG à tous. Ça fut court mais intense, messieurs. Ah bah, exactement. Je suis fier d'avoir servi dans cette garnison. Attendez. Hey. Qu'est-ce... Mais... Ah mais quel connard. C'est bon. Ah oh, mais ça va, d'accord, c'est bon. Je le déteste. Je le déteste. Ah c'était... Ça, ah je croyais que c'était moi. Voilà. Putain, t'as de la chance. Attends, c'est... il avait dit t'es well. GG. Je le déteste. Incroyable. Cliquez pour sur machin pour décerner une recommandation à un joueur. Ah. Merde non. Eh, on en a eu une chacun, hein. Ah bon ? Ouais. La partie précédente. Oh la vache. Bon, petite d'air pour la route ? Petite d'air. Petite d'air pour la route. Incroyable. Crabe du cul, monsieur Tornard. Oh ça fait une victoire en plus. Ça va ? Pour moi il n'y a que 3 victoires. Que 3. Je n'ai connu que la victoire. La victoire du rire. La victoire du rire. Tout pour le rire. Incroyable. Tout pour le rire, la victoire du rire. Incroyable. Oh sinon vous là pendant les 15 secondes, 15 attentes, là, vous faites que vous passez une bonne soirée. Tout hein, vous êtes bien. C'est quoi les stats perso là? Ah oui. 4 éliminations. Ah ouais, vraiment. Non, bah voilà, regardez-moi ce toto. Moi j'en ai eu 10. T'en as eu 10 toi? Oui, ah, monsieur. J'étais pas là quand même. J'étais pas là. Foix, Bastogne en Belgique. Ah, mais c'est pas la map de l'enfer ça où tout est. Ah non, on l'a peut-être jamais faite. C'est une map dans la neige. Non, foi, on l'a jamais fait. Bon bah, du coup, blindé. Hein. Ma foi, on l'a jamais fait. C'est laquelle escouade? Je suis pas encore là, donc je peux pas te donner. Eh ben super. Je suis pas encore là. Bon, est-ce que c'est full praliné ce machin? Blindé. J'ai pas confiance. Blindé, créer une unité blindée. Hop là, on est à Georges. Georges, très bien. Je sens que je vais croquer dedans et que je vais faire... Ah, c'était trop. Je rêve d'un petit chocolat léger. En même temps, j'aurais dû m'en douter, la boîte s'appelait praliné. Vous vous doutez bien que j'ai pas acheté ça, hein. On apparaît au QG2. C'est les chocolats qui restent qu'il faut écouler. T'es là en mode. Moi je suis pas très chocolat. QG2 tu dis? QG2. Et notre tank est déjà là. Ah non? Ouais. On a pas de tank là? Bah si là, regarde. Non mais non, c'est quelqu'un ça. Ah bon bah. C'est quelqu'un ça? Alors t'as une tête mon pote. J'aimerais pas l'avoir. Parce que t'as vu la tienne? Je sais pas, moi je me suis pas vu. Je me suis pas vu moi. C'est quoi ça? Bonjour commandant. Il est où le commandant? À la radio? À la radio ouais. Oh le lèche-pompe. Ah bah toujours hein, toujours. Le lèche-pompe quoi, on sait comment vous les avez eu vos grades hein. Merci. Petite question, je voudrais pas commencer par faire chier mais il y aurait moyen d'avoir un tank ou pas? Je dis ça, je dis tout hein. Moi je veux bien donner l'assaut au... Si on a qui, c'est qui en face de nous? L'Allemagne? Les États-Unis? La Russie? L'URSS là, plutôt? Ah non, je voulais jouer ça à nous. On est contre l'Allemagne. Bah ouais, du coup. En Belgique, ça va être logiquement là. L'Allemagne. Ça va être logique, ouais. Ça sera logique. Bah bon, bon. Eh, Zerka, tu m'entends ou pas? Oui. On peut monter avec toi ou pas? Bah, j'ai déjà mon unité qui arrive en fait. Ah merde, okay. Pas grave. Bah, pas de problème. Bon route hein. Merci à vous aussi.
Merci. Tu parles dans le chat de l'équipe, il t'entend pas. Tu parles dans le chat vert. Ah merde. Bon. Ah bah c'est toujours les mêmes qui vont s'amuser quoi. On va laisser au banc d'essai nous. Il fait froid en plus. Tiens, je vais aller pisser dans la neige. Je vais pisser dans la neige. Tu regardes pas hein. Non, je regarde pas. Prends un petit peu de PQ là. Dégage. Je regardais. Non mais non. Allez. Ah non, fais pas ça. Ça peut vite se terminer, tu sais hein. Je suis complètement d'accord. Alors fais pas de bêtises hein. Ok, je sais que tu vas en faire une. Tu vas essayer de me mettre une tête. Mais je te regarde avec des jumelles. La dernière fois, tu l'as fait. Bah oui, la dernière fois, je l'ai fait, bien sûr, la dernière fois, je l'ai fait. Ta-ta-ta. Mais... tu l'as fait en plus, saloperie. J'avais plus de balle. Qu'un saloperie. J'avais plus de balle. Ah oui, évidemment que j'ai tué un coéquipier, j'ai tué un fouille-merde, lui. Quand j'ai mal. Et salut à toi, Dalsim. Ah, salut à toi, Dalsim. Bienvenue. Ah, comme t'as vu, je me suis fait trahir par un ami de 15 ans. Mais oh, ça va, regarde. Il m'a regardé pisser alors que je lui avais dit, regarde pas. Alors, du coup, Battlefield Rails, alors, en somme, c'est ça. C'est plus drôle parce que t'as plus de. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est plus drôle en tout cas. T'as vraiment un côté coopération, voilà, genre, tout est difficile à conduire, tout est difficile. Tu joues avec l'artillerie, c'est une galère. C'est vraiment une galère l'artillerie, voilà. Ton tank, tu le manœuvres à 3, tu dois suivre les ordres, enfin. T'as un des chefs d'escouade, c'est le seul qui a une radio et qui peut discuter avec les officiers par exemple. Donc du coup t'as vraiment pas mal de trucs sympas. En gros c'est très dur ouais. Par contre c'est excessivement drôle quoi. Un Foxtrot en vue espèce, ouais c'est ça. Ouais complètement. C'est ça. Bref. J'aimerais bien le tester Foxtrot d'ailleurs. Je sais pas ce que ça donne. Faut que je teste. Bon Le commandant il nous a envoyé nous faire foutre ou on peut vraiment avoir un tank? En barrière, il s'amuse sans nous, quoi. Voilà. Alors, commandant, il y a moyen d'avoir un tank ou pas? Ou c'est toujours pas possible? Merci beaucoup. Je vais faire des bêtises, moi, tu vas voir. Merci, c'est très... Oh là là, c'est incroyable. Il est magnifique, sachez-le. On peut pas tirer. Ah, j'ai fait le commandant. Ça veut dire que... Il va commencer à m'apprécier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du lèche-cul. Mais on va en lécher des bottes là, on vous le dit. Avoir des tanks toujours de plus en plus qualitatifs. C'est bon, mon chef, t'es là? Je suis rechargé. Bon, bah je démarre le tank. Vas-y, démarre. Et là, je rechange, c'est ça? Alors, ah oui. Hop là. Ça a l'air bien dur. Du coup, si tu tires à l'artillerie sans personne pour te donner les infos, c'est mort quoi. Ouais, complètement. Bah, t'as bien vu, c'est une galère là. C'est ça. Et j'aurais pu flinguer, genre tout en tirant au pif, ça se trouve, je pouvais flinguer là un de nos tanks ou notre escouade ou j'en sais rien. En fait, faut recevoir les infos du front qui te disent, et des officiers par radio qui te disent faut tirer ici. Ou des. T'as plusieurs escouades, t'as aussi des escouades de snipers. Et ouais, alors, l'artillerie, ça se gère à deux en général. Ouais. Genre, t'as un qui recharge, l'autre qui met les coordonnées et le premier qui a rechargé qui tire. Mais tu peux aussi le faire tout seul. Mais en tout cas, t'es en relation avec les officiers, les escouades de Recon. Qui sont en relation avec le commandant, qui sont en relation avec.
Faut s'attendre à quoi là? On a des tanks en face ou pas? Tu peux demander au commandement? Si on est plus sur... Pour l'instant il n'y a pas de tank. Pour l'instant il n'y a pas de tank de signaler. Coup, on va mettre de l'explosif anti-infanterie. De l'anti-infanterie. Voilà. Toi par exemple tout con, tu vois, tu veux faire une marche arrière. Instinctivement tu te dis bah je vais appuyer sur S pour reculer. Non. Faut descendre toutes les vitesses jusqu'à avoir reculé. Ouais, faut que t'ailles au point mort pour ensuite. Enfin c'est vraiment le char, ça se manie pas facilement. Et là on est deux dans un char, c'est bien, mais l'idéal c'est trois. T'as un spotter, un conducteur et un mec à la toile. C'est ça. C'est... Mais apparemment la guerre se passe bien. Hein. La guerre se passe bien. Non bah c'est chouette. Voyons voir la map. Oui, pour le moment ça va. Ah, attention, c'est quand même un petit peu débordé apparemment en C5. En nous C5 on est où? Non, c'est pas fin. Nous on est en F8 pour l'instant. On avance tranquillement en F8. Ah oui. Je suis à pleine balle, hein. Je suis à 20 km/h, je peux pas aller plus vite. Très bien. Ça je fais. Très bien. Pom. Hop. Hop là. Bon, notre but va être d'être plus performant que... Quoi? Charles marqué. Change de but. Charles marqué. Je vous souhaite une bonne nuit à samedi. Ben merci gros, et on se dit à samedi. Merci d'être passé. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Des bisous. C'est très samedi, on sera sur du Anno 1800. La suite de nos aventures avec la Momori TV. Toujours plus drôle, toujours plus de dépenses. Voilà. Alors. Ouais. Donc il faut que je change de but, tu dis? Ouais. Ouais, faut changer de but. Et surtout, ah oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir tous les flyers, toutes les infos, faire partie de la commune, enfin tout ça, être prévenu de ce qui se passera. N'hésitez pas à follow. Si ah c'est oui, pas déjà fait. Excusez-moi, mais il faut que je dise la phrase. Ah oui. Follow. En gros, ça ne nous coûte rien, mais nous, ça nous apporte beaucoup. C'est chiant. Voilà. Enfin bref, si vous voulez nous faire plaisir, follow. Attention, ils sont à battre en face là. Il y a du oui, monde. Bien sûr. Ah. Ok. Ils sont à battre en face. Ouais, ils sont à gauche normalement là. À gauche? D'ailleurs, ils sont à gauche. Ouais. J'ai changé de siège. Ah, autant dire que je vois pas grand chose. Alors, hein. Je change de siège. Ah! On nous a spoté. Doit y avoir un tank en face qui nous a visé ou un lance-roquette. Je cherche. Fais vite, qui va nous défoncer. Hein. Prochaine roquette, elle est pour nous. Ok. Je change de siège. Il est pour moi, il est en 300. Pour moi, il est en 312. Hein. Je vois rien. Ouais, là en. Il est en. Bah, il est au même endroit en fait. Ok, on va. Je vais te le chercher. On s'est fait toucher les chenilles. Hey, c'est vrai qu'il vous suffit de follow la chaîne pour avoir 5 émotes gratuitement. Ouais. Donc n'hésitez pas. Des petites émotes en pixels faits par Dux. Fait maison. Putain, je peux pas regarder au loin vu que je conduis. Bon, faut que tu cherches, mon ça, il faut que tu cherches. Ah, je cherche. Limite, mets-toi. Bah. Quoi, bah ça. Mais limite, mets-toi en truc de vision. En face, tout droit, sur la route, t'as du monde là. A droite. Et c'est un américain, il est avec nous ou pas avec nous? On est quoi nous? On est américain nous. Ouais, un américain. Ici, salut les gars. J'espère que je vous dérange pas. Viens prendre mon poste. Hop là, ramène-toi. F3, vite. Va falloir me spotter les ennemis parce que j'y vois que dalle. Hein. Bah je change de siège, mon frère. 19 secondes, je suis là. Ça marche. On m'appelle œil de lynx aussi. Ah, j'espère que c'est pas pour nous ça. Oh, la garnison vient d'exploser. C'était pour nous, ça a touché les chenilles, on est immobilisé. Ça va. Tout droit. Alors vraiment tout droit. Couché, tu l'as couché, c'est bon. C'est à dire qu'il doit y avoir ses potes dans le coin. Ok.
culture au pifomètre là, je crois quand même. Ouais. Ah, c'est merveilleux. 39 secondes, je suis là. Et je vois le car en même temps. Oh, okay. attends, t'inquiète pas, on est pas. De toute façon, on va pas aller bien loin. Hein. Oh, de toute façon, ça peut bouger. Bon, voilà. Je crois qu'on essaye de nous tirer dessus, mais alors où? Là-bas, en 338, un mec vient de passer. Eh, t'as des chenilles qui fument, c'est normal? Alors oui, justement, ça va pas. Tu sais pas les réparer, toi, par hasard? C'est la merde, là, on bouge plus. Tu peux les réparer, toi? 9 secondes. Non, moi, je peux pas les réparer. Je suis un petit officier de merde. J'ai pas les compétences. Allez, sort ton char, n'aie pas peur, bah, il fait pas si froid que ça, dehors. Attends, j'arrive. Bouge pas, j'arrive à voir ça. Alors, comment? Alors, dis-moi comment je peux réparer ça, du coup. Montre-moi. Eh, ah, tu montes un peu le volume de ton micro parce qu'on t'entend pas si bien que ça. Putain de bordel de cul. Tu m'entends bien là? Là. Un peu plus. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah putain. Donc, mais alors, tu vois, là, je suis à côté là. Et tu vois bien, je peux pas le réparer, le bousin. J'ai même pas de marteau. Ah, t'as pas le truc? J'ai même pas de chamallow. Mais non, mais je peux rien faire. Je peux rien faire, je te dis. Mais lui, par contre. En train de réparer. Lui, ça, c'est mon bon gars. Et lui, il répare. Et ça, c'est un bon gars, allez. Ça, c'est un bon gars. Ça, c'est un mec bien. Ça, c'est un mec sûr. Mais oui, ça, c'est un bon gars. Allez. Bon, c'est pas que je voulais pelle, mais j'ai rentré. Ouais, pour ça, je vais réparer. Ah, bah ça, les gars, non, mais attends, laissez pas ça sale comme ça, putain. Oh là là, mais voilà, ça c'est une armée bien coordonnée. Ça j'aime bien. Ça, ça me plaît. Incroyable. Mais bon, c'est réparé, un coup de chewing-gum et de salive. Ça marche tout seul. Allez, hop, en avant toutes. C'est à nous la mine ou ça? Attends, c'est à qui la mine? En 12. Attends, si c'est pas à nous, on meurt. Attends, c'est pas à nous, on meurt. Avancez pas, je bute le roi. Bon, visiblement, c'est passé entre les chenilles. Les gars, sud-est aussi, il faut prendre des coups sud-est. Sud-est, ok. Les gars, ça marche. Sud-est, avance pas trop, avance pas trop. Sud-est, c'est à l'autre. Ah, il a vu le dernier reste. Ouais, mais sonne-toi, il y a du boulot. Ok, en 35. Je l'ai eu. Oh là, lui il a tout pris. Hein. Okay, ok, reste là, on bouge pas, on couvre. On couvre l'avancée. Oh bah, suivez-nous les gars. Hein. Là, pas mal. Hop là. Est-ce qu'on avancerait pas un coup, les copines? Merci Doc. Poussez-vous, je suis pédiatre. Pédiatre? Y'a un pédiatre ici? Poussez-vous, je suis pédiatre. C'est la coin. Derrière. Je tourne. Ici, là. Je tourne. Je suis aussi vite que je peux, hein, mais bon, la tourelle, elle est pas rapide. Hein. Fais à volonté, là-dedans, là. Mais avance pas, mon dieu, y'en a derrière tout. Charman, oh. En arrière de toi, y'a une garnie derrière nous. Dans le bac. Faut qu'on passe. C'est bon. Attention devant. Arrête. Restez pas sur la route. Allez, le médecin. Dégage. Fous le camp, le médecin. Tu m'as cramé, le médecin. Fous le camp. Ok. C'était Azimut 160 là. Bon, on va les chercher. Donc ils sont censés avoir une garnie dans le coin. Allez, on va aller chercher. Ah ouais. Ah d'accord, le mec, canon arrière et en avant quoi, n'importe quoi. Ah bah, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. On gère. Ça se passe bien, c'est nickel, ça va bien. Ah, j'en ai reflingué un là. Alors je sais pas où il ripop, il doivent ripop à gauche là-bas. Oh non, il est mort. Oh non, merde. Et qui c'est qui est mort? Notre réparateur. Oh merde. Sur la route. Merde, c'est des MCA. Ah attention, il y en a sur dans la maison là. Hein.
chat. Il en peut plus. Ok, en 253 les gars. Ah, non, 253. J'ai détruit l'avant-poste. 253. Derrière la yourte là. Je tourne. Je sais pas s'il y a du monde à notre gauche, hein, j'entends du bruit. Là il est bien, vraiment tu peux l'avoir, tu peux le fumer là celui-là. Derrière la yourte, vraiment tu fumes la yourte. Coucou, ça va? Ouais. Bah, tu tires un coup hein. Pourquoi t'as pas tiré un obus directement? Il était pas rechargé. Bah t'aurais dû recharger. Sur la gauche. Hop là. Je retourne. C'est lent. J'ai l'impression qu'il est mort lui. Ok. Bon ben, il y a un char apparemment. Oh là, okay. ça bourre en 5. Faut avancer. Vous en aurez pas les gars ou pas? Non, ça va, on est nickel. On est nickel. Si vous avez d'autres endroits, on fait attention à nos anges gardiens de la partie. Vous en faites pas, on est là. Vous avez de l'infanterie en 349. Tout droit, ils sont en train de passer là. Ils passent. Ici. Au niveau de la maison, faites attention. Il est en train d'aller sur la garnison, les gars. Je peux plus tirer à l'obus là, sinon je les flingue. En 74, il y a du mouvement. Vous les voyez? Tire sur les arbres, tu les toucheras. Oh, ok. On peut pas y aller là-bas directement avec le tank là, question. Si, je vais aller par la droite, la droite, et tu peux tourner vers la gauche la tourelle si tu veux. Comme ça on les prend derrière la butte. Ok, ça marche. Oh la vache! Le canon est à... Ah, je peux plus tirer là? Effectivement! Eh ben voilà! Putain, je l'ai pas vu! J'avais vu tout, j'avais eu plein de mouvements, tu vois, mais j'avais pas du tout où ils étaient. Vous avez été puni une fois? Ah, j'ai flingué quelqu'un? Oh merde! Ah, c'est peut-être le type sur lequel on a roulé. Sûrement. Bon. Il remplirait pas de formulaire à notre supérieur pour l'instant. Non. Entre nous, il s'est rien passé. Bon. Oh bah, ils ont fait vite. Eh ben, en route, les copines. On y retourne, hein. C'est reparti comme à la guerre. Zou. Oh, dis donc, il y a un canon à fumigène avec celui-là. Intéressant. On devrait pas les contourner sur la droite directement et remonter dans leur cul, là. Si, on peut faire ça. Je pense que ça serait pas mal. Alors on continue tout droit, et à la deuxième sortie on va à droite, puis à gauche, comme ça on les fume par derrière. Et on trouve leur point de ralliement à la con. Je prends toujours de l'anti-infanterie, hein, j'ai pas vu de tank. Hein. Ah bah là, y'a pas tellement de tank là. Comment? On a pas vu tellement de tank, on a vu beaucoup d'infanterie là pour l'instant. On est bien dans ce char, mine de rien. Ah ouais.
Je crois que c'est un tigre qui nous a sorti, hein. Ouais, c'est possible que c'est un tigre. Ça doit être un mec au lance-roquette, ouais. Non, non, impossible, ça c'est un tigre. Ah ouais? Ah, un tigre, ok. Un tiger! Un tiger? Un panzer tiger. Soit un tigre, mais je pense pas un P4 parce que le tigre il nous a tout shot. Du coup. C'était un tigre. C'était pas un tigre. Ouais, bien voir, moi c'est un tigre. Safe direct, hein, tu changes. Bah, tigre c'est tank lourd, mais avec ce qu'on a nous. Si je prends des obus perforants, on le tue en combien de tirs? Que de derrière. On le niquera que de derrière. Ah, ok, d'accord. Autrement, il y a des endroits spécifiques à viser? Moi en général, je vise la tourelle. Non, si t'es du côté, tu tires sur le corps. Non, pas le chenille, le corps. D'accord. Et si t'es devant, tu dois tirer entre le petit écart de la tourelle et le corps. Tu sais, il y a toujours un petit espace. Oui, d'accord, ouais, je vois. Sur la rotation, quoi, sur le rotor. Ok. Exact. Ok, ok. Et si on est derrière, bah on le déglingue derrière, ok. Ouais, de toute façon, devant, tu dois... Lionf, hein. C'était un arbre, ça. Ce fut un arbre. Et de derrière, tu vas tirer sur le moteur. Sur le moteur, ok. Et ça, ça va être une vache. Oh non! Hop là, ça a fait des petits cailloux, gravier. Ça a fait du granit. Et voilà. Bon. Donc comment ça se passe, du coup? Je pense pas qu'on va passer, mais on va tenter le diable. Bah ça passe jamais, là. Quoi? Monsieur. Quoi? Il est incroyable, ce tank. Non, mais quel tank? Le pilote. pardon, le pilote, pardon. S'il te plaît. Ah, bah le voilà, l'enfoiré. Tu crois que c'est des chenilles qu'il faut avancer le char? Non, non, tigre, c'est lui qui le porte. Un tigre là-bas. Attends, ne tire pas tout de suite. Je tire pas tout de suite. Non, faut être sûr de derrière lui, on doit être. Ah, puis surtout que là, j'ai chargé un obus anti-infanterie, pas anti-char. Hein. Alors, tire vers la droite. Pour le décharger? Ouais. Ouais. Voilà. C'est bon. Il est où? Il était où, mon bureau? Il était là-bas. Ah, il bouge, il est en train de bouger. Il regarde nos amis. Pardon. Bon, il compte sur Est-ce nous. Est-ce qu'on voit son cul? On voit son cul d'où on est? Là, on va voir son cul, normalement. D'après les informations qu'on me dit, j'ai son... Il y a une garnison, juste en... On vient de rouler sur une garnison. Il y a une garnison juste là, si t'arrives à la détruire. Elle est où la garnison? Dans la tranchée? Ouais, dans la tranchée là. T'arrives à viser dessus? Non, il faut que tu recules un peu. Attends, faut que tu recules un peu, ouais. C'est bon. Bah voilà. Bravo. Ça c'est. Un coup dur! N'est-ce pas? Un coup dur pour les ennemis. Très beau travail d'équipe. Tu vois toujours le tigre? Moi je le. Je vais demander. Il y a un truc dans le brouillard là-bas, c'est quoi? Eh, c'est quoi? Ah non, putain, c'est une yourte en face. J'étais là en mode, c'est quoi dans la brume là-bas? Le tigre est toujours là-bas, il bouge pas apparemment. Et on va arriver par son yonf. Ah, il y a du monde, il y a des soldats qui sont déployés. Bougez plus, je peux les flinguer. Moi je dis, on doit d'abord tuer le tigre parce que. Ouais, non, t'as raison. C'est le boulot de l'infanterie de s'en occuper de ces gars-là. Quand tu le vois, tu me dis, hein. Bonsoir à toi. Faudrait se décaler se décaler à plein vers l'ouest là. Notre but ouest, est d'aller défoncer un char tigre, mais on n'a pas le. Nous, on a un petit tank à côté. Et il faut qu'on l'attaque par derrière, sans ça, il va nous éclater la tête. Voilà, et là, normalement, Seth, tu vas commencer à pouvoir le voir bientôt là. On chasse le tigre. Pour le moment, je vois rien. Y'a le mec sur le tigre là. Ok. Okay, ici là. Ah, il est là. On le voit. Juste là. Feu. Attends, faut que je tourne. Je tourne la tourelle. Oh là là. Tu peux la suivre. Dans le cul, faut tirer. Let's go.
On lui a piqué le kill. Désolé, pas désolé, je t'ai noyé dans le lavabo. Viens là. Attendez, on s'est pris un tir là. Ah oui. Y'a une garnison ennemie, faut aller la décrocher, y'en a une ici, hein. Une garnison ennemie ici, hein. On y va. Je recharge, je recharge. Alors attention, y'a un de nos alliés qui est proche, il va peut-être la détruire. Bah rien que tu se passes là, là, rien que... Je pense que je l'ai eu. Ok, on va aller voir cette garnie. Tu tires en sens... Vous tirez sur nos alliés. Ah, je tire pas là. On a un lance-roquette au cul. Donnez-moi une position. Je sais pas, j'ai juste entendu le roquette passer à côté de nous. Okay, je le cherche, je le cherche. Ah oui, la garnison ennemie est tombée, on peut continuer à avancer nice. Du coup. En 310 apparemment on a beaucoup de morts. On va aller en 310 là, on va essayer de trouver qu'est-ce qui fume nos alliés, nos ennemis, nos hommes. Il y en a 4 morts là en moins de 10 secondes. Oh, je vais aller sur la route ici pour être avec l'infanterie, comme ça on est protégé un peu. Ok, ok. Ah, tu vois, j'ai pas entendu. Mais tu voulais faire quoi? Je vais aller ici. Là, pour qu'on soit avec l'infanterie, comme ça on n'est pas isolé. Ça me va. Tu peux tirer un objet par là, là. Genre ici là. Il bouge encore. Il se soigne. Je sais pas si c'est... T'es sûr? Ok, il est mort. Ok, il est mort. Très bien, très bien. Tout chouette cette map. C'est joli, c'est joli. Tank droit devant. Si on avance, on peut aller au tank. C'est quoi comme ça? Si c'est un tigre, on va se faire démonter. Ouais, j'avoue, ça va être complètement problématique. Ah, c'est un looch. Ça va. Ok. Il est où exactement? Ah, ils en savent rien du tout, apparemment il est tout droit. Ouf. Demi-tour. Demi-tour. On est dans la merde, il m'a tiré dessus une fois. Non, c'était un tiger. Un tiger.
Le Tiger il nous a défoncé. Je l'ai vu au dernier. Ah, c'est terrible. Je l'ai vu au dernier moment. J'ai fait attends, dans la brume, c'est quoi là-bas? Et j'ai entendu un gros tir. J'ai fait ah. C'est vraiment trop drôle parce que j'étais vraiment en train de me dire au gars, alors si on m'a pas une réparation à deux secondes, quand? Et ok. Vous voulez pas qu'on demande un plus gros? Je te demandais un plus gros s'il faut. Hein. Ah bah si, ouais, demande un plus gros. Un plus gros. Non, on a fièrement servi l'armée, là, ils peuvent nous récompenser. Commandant. Hey, c'est un braquage! C'est un braquage! Commandant! On tue! Commandant! Commandant, par hasard, y'a vraiment un gros tank ou pas? C'est un braquage! Je t'envoie ça, je t'envoie ça. Mais plus vite, plus vite! Non mais calme-toi! Calme-toi ou je t'abats! Ouais, tu fais bien, ouais! Oh! Mais... Je l'ai impressionné, je crois. Faudrait vraiment... Putain de... Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Bah c'est le nôtre! Ah c'est lui le nouveau tank! Ah bah oui, il est là! Mais c'est ça! Il est quand même sympa, le commandant. À deux doigts de se prendre une balle. Oh, il est arrêté, le commandant. Ah, il a tout de suite senti à qui il avait affaire. Ah bah clairement, là. il allait avoir un problème, là. Ouais. À 3 contre 1, il faisait pas le fier. Hein. On va perdre le point, hein. La merde, ça. Si on roule vite, on peut le récupérer. Si on va genre très vite. Ouais, alors là, va falloir sprinter. Et on est déjà en train de perdre autoroute. Ah ouais, ils ont pas le temps en face. Hein. Bah go autoroute, hein, go autoroute direct. Hein. Bon, dès que vous avez des infos sur un tank, vous me dites, hein, que je puisse switcher de munitions. Là, je me dis que pour le moment, on va avoir beaucoup d'infanterie. Mais... Bah, tant que le char là il a pas explosé, ça veut dire que le tigre il a pas avancé. Une fois que lui il explose, c'est fini, on doit se préparer à avoir un tigre en face. Ok, ok. Il est chouette lui, j'aime bien. C'est carré carré. M'entendez-vous, Dox? Ah, je t'entends plus. Allô? Oui. Depuis tout à l'heure, on m'entend pas? Non, depuis là, à l'instant. Ah, d'accord, ok. C'est bon, vous l'entendez tous? Tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Et si quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok. Bon. Pom. Et je disais, ouais, il est chouette, lui. Ouais, il est bien. Ouais, il est bien. Il est carré, il est drôle aussi. Non, je l'ai déjà vu parler tout à l'heure, on l'entendait pas. Ah, voilà, ça fait, ok. Ok, ok. Hein? C'est pas grave. Attends. Ça venait de moi. T'en fais pas, ça venait de moi. Non, j'ai déjà vu parler tout à l'heure, on l'entendait pas. Oui, mais pourquoi il dit ça? J'avais coupé mon micro pendant 2 secondes. Ah, oui, d'accord. Et du coup, voilà. Ouais, mais tu l'as vu tout à l'heure, on t'entend. Ouais, on m'entend via le jeu, tu vois. Mais voilà, c'est pas grave. En vrai. Oh là là. C'est champêtre quand même. Non, oh, oui. J'aime bien. C'est calme. C'est calme. C'est bien. Bon, outre les tanks, les explosions et voilà, mais. Oh, c'est calme. Je demandais, vite fait. Ça passe bord de map. Ça passe bord de map. Apparemment, ça passe bord de map. Faut être assez en C7 pour nous protéger les. Ils doivent avoir un point de ralliement à l'ouest de l'autoroute, je pense. Bord de map. Donc, tranquille. Oh la vache! Quoi? Oh, il prend une blitzkrieg là! Ah ouais, il nous éclate là! J'ai limite envie de prendre des obus anti-chars directement parce que bon, ça déglingue l'infanterie quand même. Et si on croise un tigre au moins.
Non, juste là, là. Là, ils sont là, là. Là, ils sont là, là. Hein ? Ah ! Ah ! On fuit, alors ? C'est ça, la victoire pour nous ? Ici, là, là. Bon, elle est peut-être pour nous, celle-là. Là, 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 là. Je vois, mais ça tourne. Là. Mais à tout de même. Ah la vache, il courait lui. Ah, y a... dans la forêt, il y en a. À gauche, à gauche, à gauche, en nord. Il y en a aussi dans la forêt. Ouais, un peu dans la forêt, un peu dans la forêt. Il y a toujours le mec derrière sa yourte là, il m'ennuie. C'est bon, tu l'as eu. Au fond là-bas, au fond ils sont pleins, ils sont genre 5. 5 là-bas. C'est de l'ancien infanterie que t'as là, mon frère. Eh merde! Ok. Y'a vraiment un appareil? Y'a un tigre en face. Si y'a un tigre, j'ai pas vu. Ah bah lui, il nous a vu. Si y'a un tigre, je l'ai pas vu quoi. Genre, hey! Eye of the lapin, hein? Ouais, ouais, mais clairement, hein? Clairement. Ah, vache! Eye of the top là! Hein. Vous avez clairement the eye of the top! Bon bah, on se dépasse sur l'art, les gars. QG1? Ouais, je vais faire du TK là pour me défouler. Tekitaz. Allez, il va mourir. Tout ça, c'est la faute du commandant de toute façon. Commandant, est-ce que c'est possible un tank en QG1? Vous avez pas de tank là? Alors, vous moquez pas, hein. Mais c'est... Alors, déjà, c'est pas moi qui conduis, et puis c'est pas moi qui tire. Moi, je suis juste en train de leur dire aller à droite, aller à gauche. Je vais vous chercher avec un tank. Le chien. Enfin, voilà. Là, tu mériterais une balle dans le pied pour ça. Ouais, je pense aussi, je pense aussi. Bon. Allez, viens, ouais, on a notre tank. Ok, à l'abri. Attends, en face, là. Non, c'est un bosquet. C'est le PTSD. Bah, un start, là. Un start, moi, je pense pas un start, hein. On a un char tigre, là, mais... Bon, il a dit qu'il venait nous chercher, hein, donc... Bah attends. On fait voir. Il est où? Ah oui, je le vois. Il est au carrefour, problème. Il arrive. Bon bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, non mais voilà, hein, c'est... Ce n'est pas facile. Ouais, c'est très dur comme genre. Oh là là. Ah, c'est lui ça. Non. Il est censé arriver par la route en face, normalement, je crois. Ouais. Ah tiens, on le rejoint à la forêt à la limite. Ok. C'est lui. C'est lui, il arrive. J'ai pris la mauvaise forêt. On est là. Tire pas. On est là. Ah merci. Il y a Dex qui arrive. Bah tu peux avancer hein. On l'écrase. Allez. Non, il veut t'écraser, fais gaffe. Après je fais... Oups.
Comme le lapin. Arrêtez ce chat. Bon, il a esquivé. Telle est une gazelle. Telle est une gazelle, on va parler. Allez hop, bah zou. Vous êtes habile de vos deux jambes, chef. On a perdu le tank ici. C'est-à-dire que le tigre il doit être encore vachement vivant. Et je dirais que même qu'il est ici le tigre. Ah non, ouais, il est là. Si maintenant on fonce, on se fait éclater. Moi je pense que honnêtement, le mieux c'est de faire un détour et d'essayer de le prendre par derrière le tigre. Ça me va. Ça nous a déjà réussi. On peut être des héros une seconde fois. C'est parti par la forêt alors. De toute façon, ils passeront pas par la Belgique. C'est-à-dire que... C'est un arbre ça, non? Mais j'ai rien vu moi. Moi non plus j'ai rien vu. Ok. Tout se passe bien, on est bien, on est à l'aise. Ça c'est du piloting hein, ça vous verrez personne d'autre le fait. Effectivement. Le meilleur timing. Alors. Tigre est sur la route. Ah bah comme je t'ai dit, c'est pas moi qui conduis hein. Je t'ai dit. Ils m'ont dit, ah bah on va passer par la forêt. J'ai fait bah écoute, oui. Après on est sauvé, apparemment y a John McClane avec nous. J'ai la vu piège de cristal, peut rien nous arriver. Et je dis à l'âme, promenons-nous dans les bois pendant que le chartier n'y est pas. Si elle y était, on serait fumé. Bon, hey, c'est pas ce que vous croyez. On constate, tu vois. C'est tout. Moi je constate rien le du constat, tout. Le constat il est approximatif à ce point là. Moi j'ai rien vu moi. Moi je ne fais plus qu'un avec ma tourelle. Sachez que le reste de l'armée se fout de notre gueule. Sachez-le. Ah bon? Ah je vous le dis. Mais viens on leur roule dessus, ouais, tu vas voir s'ils rigolent. Ils écrasé. Voilà c'est ça. On vient les voir. Ah vous avez bien ri hein. Regarde. C'est du slalom avec un tank dans une forêt, t'as déjà vu ça toi? Ah la moindre! C'est vrai, c'est vrai! Et bam! Ça va, je vais venir! Ça va, ça passe! C'est peut-être le rétro! Bon, le char il est à l'autoroute apparemment! Voilà! Sache-le! Voilà! Bon, allez, petit gars, on peut encore faire du dégât là! C'est qui est sorti de la forêt en un seul morceau? C'est nous. Ah mais jamais on a douté hein. Ah, en face apparemment il y a du monde. C'est qui s'est moqué? C'est Matou. Je veux l'écraser. Non. Oh, on déconne pas. C'est toi qui t'es moqué. C'est toi qui as rigolé. T'as rigolé hein. Sur la droite. Il a eu chaud hein. Oui, sur la droite apparemment. Il a dit sur la droite. Et sur ça à droite, donc tu pousses à gauche. Ah dites-moi hein, parce que... Oui, de toute façon, les soldats, c'est leur boulot, on sait pas le nôtre. T'as déjà de la période chargée? Ouais, AP chargée. Et ah boum bah incroyable. Tout était prévu. Voilà. Incroyable. Ça, c'est le talent, ça. Ah, clairement.
Tiens, remonte-le au commandant. Ça a de la chance. Remonte-le au commandement qui se moque. Dis-lui qu'on va venir lui rouler dessus lui aussi. Alors ça se moque. Mais c'est qui l'équipe qui a des... Tu le vois quelque part le tigre ? Pour l'aliment, c'est nous. Pas pour le moment. Tu vois le tigre, Dox ? Ah, ce qui m'ennuie, c'est que je sens que c'est lui qui va nous trouver. Quelqu'un a... normalement, on devrait être derrière lui, là. C'est... Il y a beaucoup de morts en face, apparemment, sur la route. Donc, il doit être probablement par là. Ah, oui, le tigre est là-bas. Ah, bon, va falloir le surprendre. Bonne nuit, Momo. Merci d'être passé. Bonne chasse, père, oui. Merci beaucoup. Il y a quoi, là? Il est là, il est forcément là. Attends, que chat. Attends, que tigre. Là, les troupes sont sur le côté là, on les filme pas. Bon, le tigre sait où on est maintenant. Oh, il est derrière. Dans le cul. Il tombe. Dans le cul. Je donne tout. Ils vont abandonner, je pense. Par contre, il y a une garnison juste derrière nous. Ils sortent là. Vas-y, clôte le truc. Allez. Tire sur le truc. Enfin, il résiste. Il résiste. C'est bon. Yes. Y'a une garnison juste derrière nous par contre les gars, contre le mur du bâtiment. Ici, attends. Y'a un canon t-shirt à gauche là. À gauche. Là. Fais-moi cette merde là, roule dessus là. Allez toi. On les baise. Let's go, je vous le dis moi, on renverse au cours de cette bataille. Ouais, mais il faut que je tourne. Vous envoyez les grenades. Take grenade. Il est mort. Il est mort. Attention, il est mort. Elle est où la maison avec le mur de briques? Il y avait une garnison à côté. Regardez, elle était détruite donc vous pouvez enlever les marqueurs les copines. Comme quoi on l'a eu hein. En face, c'est bon. C'est bon. Bon, faut toujours qu'on reste, en mouvement parce qu'ils vont nous envoyer tout ce qu'ils ont, hein, les lance-roquettes et tout. Enfin, genre on bouge et puis on s'arrête un petit peu, on fait des ravages et on repart, quoi. Putain, on brise la ligne de front, c'est incroyable. Pour autoroute là pendant qu'on rentre en soutien. Ah, en face. Sur notre gauche il y avait du monde que j'ai vu passer. Dans les bouts de bois, les gars. Lui il bouge là, lui il croit qu'on l'a pas vu. Et si on t'avait vu? Allez hop. On doit leur faire bien chier là, tourner comme ça. Y a un camion juste à côté. Arrêtez-vous. Là. C'est un camion à nous ça. Il est à nous ça. Bah il y a une étoile dessus donc je suppose que oui. Oh t'as un mec là ouais. Et c'est là. Ça c'est à nous le camion là. Ah je peux plus le toucher le gars. Garnison ennemi sur ping. Ah c'est la nôtre ok. Eh ben voilà, on l'a récupéré ce putain de point là.
C'est grâce à qui? Et c'est grâce à moi. Ah clairement. Le mec. Ok, d'accord. Allez, moi je te l'accorde, c'est parce que t'as traversé la forêt, clairement. On se moquait. On se moquait du char, hein, mais là on a tous sauvé, nous. Au bout ça court, les gars. Au bout là-bas ça court. Sachez-le, au bout ça court. Mais on est bloqué là ou Non, c'est bon. Mais attends. Ils sont tous dessoudés ici. Y'a quoi ici? Oh merde. T'as tiré sur le mec? Ah bah oui, c'est ça la guerre, hein. Ouais, j'en ai flingué un dans l'obus, avec l'obus. Remonte pas au commandement. En face. Faut que je retourne. En 106. Je suis aussi en 106, mais il est mort là. Ah, au fond. Non, y'a toute une squad. C'est très loin au fond. Ouais, mais ça vient aussi en 89. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ceux qui se sont fait défoncer là. Y'a encore du monde? Attends, là à droite. On va aller leur dire coucou. Exactement. Attendez, attends. Sur notre droite. Reculez. Sur notre gauche, c'est un tank, sur notre gauche. Sur notre gauche. C'est bon. Oh mais bordel! On est dans une tranchée, non! Ah c'est la merde! Avance, on peut s'en sortir, avance, on peut s'en sortir. Voilà. Attends, il est où le char? Il est où le tank? Y'a un mec juste là! J'ai le char, il est là le char. Ok. Va à droite. Ouais, va à droite. Ouais, dès que je peux. Le tank. Il est où? Le tank, il est par là. Je vois rien, ça bouge. Je vois rien, ça bouge. Hop là. Le tank, tu vas le voir, mon frère. Ouf. Oh, il a essayé de nous tirer dessus, là. Là, le tank, là, tu le vois, là? Ici, là. Vu. C'est bon, on l'a eu. C'est bon. Un petit coup de réparation, c'est pas mal là, non? Bah, si je sors maintenant, je me fais fumer à. Ouais, y'avait des mecs autour de nous. Je vais mettre la derrière nous. Derrière nous. Je me retourne. Je vais me mettre. Ici, là, et je vais réparer. Et voilà. bah. Voilà. Oh, hey, on s'est bien battu. Non, là, c'était un beau combat, ça. Il est où le commandant? Je vais l'agresser un peu. Commandant, c'est encore nous. S'il vous plaît. Ah, on a plus de notes. Attends, on a fait un super boulot, là. Tu peux rien dire, on a fait un super taf. Merde, ça. Merci, commandant. On est où? On peut retourner les copains. QG1. On peut retourner, QG1. J'arrive. J'avoue, on s'est battu comme des lions, là. On s'est fait arnaquer, par contre, là, on a un petit tank de merde. Il passe partout, moi. Ah, ça, c'est un petit tank, et celui-là, il est cool. Ouais, mais il passe partout, moi, celui-là. Ok, on va voir ça. Hey, c'est mais celui l'autre qui... aussi. C'est celui qui peut balancer des fumigènes? Attends, descends. Non. Descends. Ah oui, non, c'est le moyen qui balance les fumigènes, lui, c'est un petit tank léger. Tu peux entrer, ouais? Ouais. Ok, nickel. Ok, bon alors avec ce petit tank, désinguer un char tigre, c'est même pas la peine, je suppose. De derrière, c'est le seul moyen et je pense que t'as besoin de 4 ou 5 coups. Ok, bon, je vais privilégier des petits obus antipersonnels. Parce que là-bas, mais... là, y a... Ouais? Si tu tires en plein milieu sur le réservoir du tigre derrière, vraiment derrière, tu peux l'avoir en 3 coups peut-être. Ok.
Est-ce que je peux poser une petite question vu que j'ai l'impression que tu t'y connais extrêmement bien sur ce Game Boy. Les points, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'en gros, le commandant, là, il y a des points, et quand on gagne, quand on reprend des points, on gagne de nouveaux points, c'est ça l'idée? Tu parles des points quand tu ouvres la carte? Ouais. Bah, en fait, t'as... Je sais pas si tu connais bien la classe... dans l'infanterie, il y a la classe ingénieur. Ouais. Et ben celle-là, c'est la seule classe qui peut te placer des nodes. Et les nodes, okay. C'est genre... si tu ouvres ta carte, tu vois, genre, t'as un paquet de munitions avec 133, une botte et du pétrole. Et chaque ingénieur peut poser 3 nodes. Une, la botte, c'est infanterie, non, ouais, infanterie, une munition et une pétrole. Et tu peux que les placer si t'as du ravitaillement. Et chaque note, c'est plus 10 par minute. C'est-à-dire là, on n'a pas de nodes, c'est par défaut 30 par minute. Okay. Et ce qui fait que pour avoir les points, c'est pour ça que chaque chose que c'est des nodes qui permettent d'appeler des tanks, des bombardements, un truc comme ça quoi. Exact, exact. Et si tu mets pas de nodes, bah t'auras le truc par défaut à 30 par minute et c'est de la merde parce que 30 par minute c'est pour un tank, pour le tank qu'on a perdu vite fait ici là, c'était 600 pétrole et si t'as besoin de 30, tu reçois 30 pétrole par minute. Fais le calcul, t'as besoin de. En gros, c'est une économie de guerre quoi. Si les mecs ils ont beaucoup plus que toi, même si tu les défonces, bah ils vont revenir plus rapidement et plus fort. Ouais, exact. Et l'infanterie, le truc d'infanterie, tu peux faire tomber du ravitaillement, que les gens ils peuvent mettre des garnisons plus facilement. Tu peux faire tomber des têtes de pont, tu peux faire des reconnaissances, des bombardements. Et ça se joue avec les points que tu vois là en haut. Chaque action a un point spécial. Ok, ok. Mais en fait, tant que t'as pas été commandant au moins une fois, tu peux pas trop comprendre ce que c'est tout ça, techniquement. Si, parce que ça se joue avec toute l'équipe, tu sais. Si jamais t'as de l'escouade, ils te mettent pas de notes, bah tu l'as dans le cul. Et du coup, si les squad leaders, ils te mettent pas, et tu dis pas à leur ingénieur de mettre des notes, bah le commandant il a pas de notes et il peut rien faire pour les squad leaders. Ouais. Et c'est vraiment une malade. En face, il y a du monde. Je crois que je l'ai vaporisé. Ah oui, il est mort, il est là, sur son cadavre, il est mort. Et il y a un bras là. Où ça? À gauche par terre. Oui. Incroyable. Ah, c'est le chartique qui vous a défoncé ça tout à l'heure. Sans doute, oui. Ah oui. Ah, oh, bah je crois qu'il y en a un autre dans la forêt là. Tu vois quoi que ce soit lui, hein. Dès que je vois un truc, c'est ça. Pour le moment, je vois rien. J'avais croisé 2-3 types sur la route. Il y avait un mur. C'est une maison, ça. C'était une maison, ça. Ah oui. On peut pas la traverser, celle-là. Mais ça, c'est ce que je voulais faire. Bien sûr, c'est pour bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. Aïe. Allez, on retourne à la base vite. Allez, baroud d'honneur, faut renverser la vapeur une fois de plus. On l'a fait une fois, on peut le refaire. Allez. Et boum, on s'est tranché. C'est bon, on passe. Oh là là, mais là ça là passe là. Bon. Bon bah c'était sympa les copines. Hein. Vraiment on a bien ri. On nous tire dessus. C'est pas très loin ça, hein. Pas très loin, ouais. Je suis plus rapide que rapide, moi. C'est vrai, ça. Ah bah là, il va falloir beaucoup plus rapide, hein. Feu ! Tire !
Tire, donne tout ce que t'as. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, comment? Attends, il est où notre gars? Je lui mets un. Je le recommande. Bien joué à lui. C'est trop bien. Hey, l'oignon fait de la force, d'accord. C'est pas qu'un serveur français, c'est un serveur francophone en fait. Français, belge, québécois. Je crois. Ah, on a été recommandé. Oh, mec, les scores ils sont incroyables. Regarde, 40. Quand je te dis qu'on a, on a défoncé 4 véhicules, on a fait une série d'éliminations à 15. On a flingué 15 types avant de s'en sortir. Ah ouais. On a fait un beau score. Alors attends, j'aimerais voir à quoi ils correspondent tous les scores. C'est quoi ça? Efficacité au combat. On a été plutôt efficace quand je regarde nous. Eh ben on est les meilleurs en efficacité au combat, regarde. Ouais, clairement. Ah, on est tous à 600. Oh merde, j'ai pas plus le temps de voir. Bon, attends, on va quitter. Ah, mais c'était. Exploser les scores. Ouais, c'est sûr et certain. J'avoue que c'est bien. Le tank léger ou lourd, c'est vraiment agréable au niveau coordination. Je trouve que c'est même encore plus rigolo quand tu joues à un tank léger. Non, parce que tu vas beaucoup plus vite. Ouais, tu vas beaucoup plus vite, puis t'es vraiment en sneaky. Genre, tu croises un gros tank, c'est ton ennemi. Donc, du coup, tu fais. Tu tournes autour, y'a pas le temps de te viser. Non, j'avoue que c'était trop bien. Il était trop chouette, le gars. J'adorais. Bon, alors attends, du coup, hop. Et on croise plein de gens très très cool sur, oui. Sur ce jeu. C'est vraiment. C'est vraiment très drôle. Clairement. On passe des bons. Bon. Je sais pas, c'est drôle. Je sais pas, c'est. Y'a toujours matière en fait, sur ce jeu, ça qui est bien. C'est que voilà. T'as tellement que c'est matière. Oui, il est trop trop bien. Bah voilà, YouTube, c'était Let Loose. J'espère que ça t'a plu. Des bisous à toi. Ah bah, je sais, alors si tu veux, il y a d'autres vidéos après. Voilà. C'est chaud. Bon, bah, les enfants. Oui. Les enfants, en vrai, c'était une bonne soirée, non? Ouais. On a bien rigolé. C'était cool. Bien amusé. Attends, j'ai repassé sur la scène de blabla. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. On se revoit samedi. Hein. On se revoit après-demain. Voilà. Ouais. Vous savez pourquoi? Bah, c'est pour jouer à nous. Ça va être rigolo, comme d'hab. On va s'engueuler, on va s'embrouiller, ça ne changera pas d'habitude, on vous le promet. Pouf. Merci à Saul hein, d'avoir lâché un abonnement. Voilà. Merci beaucoup à toi. Sache que tu n'étais pas obligé, hein, mais merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Très plaisir de voir que tu nous soutiens. Et puis merci à toutes les personnes qui sont passées. Voilà. Bien sûr, si ce n'est pas déjà le cas, hein, n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à suivre le Discord. Ça me fait juste plaisir en fait. Mettez un follow, c'est drôle. Et nous, on passe un bon moment. Voilà. Le Discord, tout ça. De toute façon, on se revoit samedi pour du RTS. Hein. Beaucoup plus, voilà. Sachez que c'est mon tout premier abo. C'est encore plus touchant. Voilà. Encore plus, merci. Encore plus, merci, Choule. Du coup, pouf. Merci à vous tous. Et on se revoit samedi. Volontaire d'adulte, tout ça. Voilà. Bah voilà, donc gros bisous. Yep. Puis bah samedi. Allez, ciao. Ciao.